Alors bonjour Frédéric Taddeï. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour enquête et débat. Alors je précise tout d'abord que vous ne m'avez jamais invité dans Ce soir ou jamais, ce qui fait qu'il n'y a pas de connivence entre nous possible. Ah, on pourrait, non, moi à mon avis la connivence ne s'arrête pas là. Vous pourriez être de ma famille par exemple. Ma femme par exemple, je ne l'ai jamais invitée dans Ce soir ou jamais. Vous voyez et ça n'empêche qu'il y ait une connivence. Bon, parce que je vais dire du bien de vous là dans la présentation. D'accord. Alors, votre émission est considérée par beaucoup de gens, journalistes spécialisés et téléspectateurs, comme étant l'émission du service public qui donne le plus la parole à des personnalités différentes, qu'on voit peu ailleurs dans les médias, et notamment à la télévision, et qui coupe le moins la parole aux intervenants. Pas du tout même, vous pouvez dire pas du tout. Je n'ai jamais coupé la parole. Jamais. Bon. Jamais. Leur permettant d'aller jusqu'au bout de leurs idées, dans la limite du nombre de personnes invitées. Voilà. Alors première question, est-ce que Ce soir ou jamais sera renouvelé l'an prochain et est-ce que ce sera la même formule ? Ce soir ou jamais est reconduite, ce sera toujours le mardi en deuxième partie de soirée. Si vous voulez, il n'y a pas de formule de Ce soir ou jamais. La seule fois où il y a eu quasiment une formule, c'était contre mon gré, c'était cette année, parce qu'on est passé en hebdo, que c'était la... donc bon, il fallait retrouver un tempo à l'intérieur d'une émission plus longue mais moins régulière. Enfin, régulière, mais pas quotidienne. Et ça s'est retrouvé au moment de la présidentielle. Donc, en fait, l'émission est devenue une espèce de longue revue de presse. Et là, tout à coup, elle s'est formatée d'une manière que j'ai trouvée très désagréable. Et je me suis hâté, dès que la présidentielle s'est terminée, de retrouver les fondamentaux, c'est-à-dire l'absence de formule, et puis surtout la possibilité d'aller au fond des sujets, de passer une heure sur un sujet, ce qu'on avait perdu à cause de cette foutue présidentielle. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de format de Ce soir ou jamais, puisqu'on peut faire une émission, et ça m'est arrivé souvent, de faire toute une émission avec une personne, de faire une émission avec 17 personnes, de faire plusieurs plateaux, d'en faire qu'un seul, d'en faire deux, d'en faire trois, d'en faire quatre, de faire des interviews en face à face, des débats, des face à face avec deux invités qui discutent entre eux. Tout est possible dans Ce soir ou jamais. Voilà, mais on peut dire que l'année prochaine, je vais retrouver, tout en gardant une revue de presse pour commencer l'émission, je vais retrouver une heure au milieu où on parle d'un seul sujet, et puis une demi-heure à la fin, grosso modo, où on peut aborder des sujets plus culturels, on va dire. Vous avez vu, je vais essayer de ne pas vous couper non plus, donc comme ça on va pouvoir s'entendre. Alors, avant d'en venir aux invités de Ce soir ou jamais, un mot sur le concept de votre émission. Pourquoi invitez-vous autant de gens, quand même, en moyenne, disons, par émission, ce qui divise d'autant leur temps de parole et les oblige à s'interrompre? C'est un problème, il y a plusieurs raisons. C'est arrivé cette année, plus que je ne le voudrais, pour la raison que je viens de vous expliquer, à savoir que c'était devenu une longue revue de presse avec plein de gens qui arrivaient, qui sortaient, etc. Et puis parce qu'il fallait trouver ce qu'allait être cet hebdo, parce que Ce soir ou jamais a été inventé pour être une quotidienne. Donc tout à coup, on a envie de plus de gens parce que je suis habitué, j'étais habitué à ce que chaque semaine, il y en ait beaucoup. Mais sinon, Ce soir ou jamais, je l'ai fait assez régulièrement à 6, je l'ai fait à 8. Et quand c'était une émission d'1h10, 6, ça va, on a du temps. L'année prochaine, il y aura moins de gens en même temps sur le plateau, vraisemblablement. Mais je vais vous dire la vraie raison pour laquelle. D'abord, parce que j'ai toujours l'impression, dans Ce soir ou jamais, on peut inviter tous les gens de culture. Absolument tous. Donc, je crois que vous avez compté qu'on en a invité plus de 2000. Ça paraît beaucoup, moi ça me paraît très très peu. Et je me dis, putain, je n'ai invité que 2000 personnes. Différentes. En 6 ans. Différentes en 6 ans. Donc, j'ai tout à fait conscience que j'en ai invité peu par rapport à tous ceux que j'aurais pu inviter. Et comme il y a assez peu, enfin, on va en discuter, mais il y a assez peu de parti pris de ma part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les gens que j'aime bien et que j'invite et les gens que j'aime pas que j'invite pas, donc je me sens tout à fait coupable d'en inviter si peu. Donc la tendance, ce sera d'en inviter plus qu'il ne faudrait. L'autre raison, c'est que je veux avoir sur ce plateau une grande diversité. Je ne veux pas me contenter quand on aborde un certain nombre de sujets qui sont très souvent abordés à la télévision, puisqu'on aborde des sujets d'actualité, mais toujours avec les mêmes personnes ou qui reflètent à peu près toujours les mêmes types de positions. Moi, au contraire, je veux faire entrer tout
tout en conservant l'establishment, ceux qu'on voit habituellement à la télé, mais je veux les confronter aux contestataires, aux excentriques, aux artistes, etc., etc. Donc la tentation, évidemment, c'est de mettre plus de gens. Parce que si sur un sujet, quel qu'il soit, sur la dette, par exemple, je me souviens, j'ai fait la première émission sur la dette. À l'époque, je me souviens, la chaîne m'avait dit, mais t'es fou, ça marchera jamais. Et puis ça fait une énorme audience. Je me souviens, c'était bien avant qu'on parle de la dette à tous les jetés, hein. Mais sur la dette, vous faites une émission sur la dette. Si vous invitez 4 personnes, vous invitez lesquelles ? Très très vite, vous allez voir que pour avoir une vraie diversité de vision de la dette, et c'est ça ce soir ou jamais, c'est une vision de gens imaginatifs, créatifs, intellectuels ou artistes. Mais si vous voulez avoir une vraie vision de la dette, il en faudra minimum 6 et la tentation ce sera d'aller jusqu'à 8. Parce que là, vous aurez vraiment des points de vue très 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 originaux. Donc voilà, là, les deux raisons, elles sont là. C'est les raisons pour lesquelles il y a parfois beaucoup de monde sur ce plateau. C'est plutôt... c'est pas parce que j'ai l'impression qu'ils parleront moins. C'est pas ce but-là. C'est qu'ils seront obligés de parler différemment. C'est pas pour maintenir l'attention aussi, parce qu'on sait que pour des raisons d'audience, on a besoin que la parole circule vite. Si moi j'avais des soucis, par souci d'audience ou de ménager un côté spectaculaire, je prenais la décision d'inviter plus de gens pour qu'il y ait plus de tempo, je ne ferais pas ce que j'ai toujours fait depuis le début de cette émission, c'est-à-dire que je n'ai jamais coupé personne. C'est la seule émission de télé où vous pouvez parler 8 minutes sans que je vous interrompe. Et c'est arrivé. Le pire, on peut le dire, c'est Andrzej Wajda qui, je crois, a fait 14 minutes en polonais. Bon, il y avait un traducteur. Mais les 6 premières minutes étaient géniales. Et puis après, il est parti, j'ai pas compris. À un moment, je lui ai dit, bon, Andrzej Wajda, vous allez pas nous raconter toute la Seconde Guerre mondiale. Il m'a dit, non, rassurez-vous, mais il a encore parlé 4 minutes derrière. Et c'est vrai qu'à la fin, je comprenais plus du tout là où il voulait en venir. Mais je l'ai pas coupé. Et je ne coupe jamais personne. Donc si je voulais vraiment maintenir l'attention, c'est-à-dire effectivement ce système télé qui fait que tout le monde vous coupe la parole, parce qu'ils ont tous peur que vous soyez, d'être regardé par des crétins qui ne supportent pas qu'on leur parle plus d'une minute, évidemment, je n'observerai pas cette règle qui est pourtant la mienne, de ne jamais couper personne. Bien. Alors passons justement aux invités. Donc Enquête et Débat a réalisé une enquête qu'on vous a fait passer sur tous les invités de Ce Soir ou Jamais depuis sa création en 2006. Et en 6 ans, donc, vous avez invité 4218 personnes, ce qui représente 2377 personnes différentes exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes choisissent les invités de votre émission et sur quels critères ? Quand vous faites une émission, ça dépend... Ça dépend de... Dans une revue de presse, par exemple, qui normalement était hebdomadaire, une revue de presse, l'idée, c'est d'inviter des gens qui ont suffisamment d'originalité, de prestige et d'autorité pour être intéressantes sur tous les sujets, quels qu'ils soient. C'est pas toujours réussi, ça peut tourner au café du commerce. Mais grosso modo, le critère, c'est qu'ils soient originaux, qu'ils aient du prestige, ne serait-ce que dans leur milieu à eux. On ne demande pas que ce soit des vedettes. Et qu'ils aient suffisamment d'autorité pour qu'on ait envie de les écouter. Il y a des acteurs qui ont de l'autorité, Gérard Depardieu, son avis vous intéresse sur tous les sujets. Ce n'est pas le cas de tous les acteurs, vous voyez. Et puis évidemment, arrivent d'autres critères qui sont les miens et ceux de Ce Soir ou Jamais. À savoir, il faut des têtes d'affiche, mais pas que des têtes d'affiche. Il faut de l'antagonisme, il ne faut pas que tous ces gens-là soient d'accord. L'idéal, c'est même qu'ils soient très différents les uns des autres, ils aient des visions du monde différentes, qu'ils appartiennent aussi à des milieux différents, qui n'est pas que des écrivains, ou pas que des intellectuels. Il faut qu'il y ait des excentriques, c'est-à-dire des gens qui véritablement... Si vous voulez, la télévision ne donne en gros la parole qu'aux centristes. C'est-à-dire des gens qui partagent un certain nombre de valeurs qui sont celles, on va dire, d'un pays comme le nôtre aujourd'hui. Moi, je fais une émission culturelle, je ne suis pas obligé de j'ai pas besoin d'avoir un panel des opinions des Français. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui pensent, qui jouent, qui font de la musique, qui réfléchissent, etc., etc. C'est les créatifs qui m'intéressent. Donc, je vais prendre des excentriques, je vais prendre des femmes. Je suis l'émission, et ça n'a cessé d'augmenter, qui invite le plus de femmes dans Ce Soir ou Jamais. Donc il y a vraiment, j'impose à mes équipes qu'il y ait un nombre de femmes respectables. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nombre de femmes respectables ? Je vais vous dire, il y a une règle. Pour que, quand vous parlez dans un débat, dans une émission, à une table, on ne vous écoute pas en tant que la femme,
Ah, c'est une femme qui parle, mais en tant que vous-même, il faut que vous soyez au moins un tiers. Donc, dans la règle, ce soir ou jamais, c'est qu'il n'y a jamais moins d'un tiers de femmes. Je ne m'en rappelle plus de la statistique, mais est-ce que vous l'avez en tête, c'est complètement... Je peux vous dire qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est plus d'un tiers, ça, ouais. C'est sûr. Parce qu'on a étudié précisément. Oui, mais vous ne l'avez pas fait pour les dernières années. Vous l'avez fait, j'ai vu la statistique pour la première, vous étiez à 15%. Et effectivement, au début, j'ai eu beaucoup de mal à l'imposer. Ne serait-ce que parce que les gens qui programment les émissions de télévision, comme les gens d'ailleurs dans les journaux, ne connaissent pas assez de femmes. Tout simplement, puisque c'est toujours des hommes qu'on voit. Donc les femmes sont moins connues. Et puis j'ai un autre problème, que j'ai souvent expliqué d'ailleurs, c'est que les femmes répugnent un peu à aller dans les débats. Alors elles viennent plus facilement dans Ce soir ou jamais parce qu'on leur coupe pas la parole, justement, je ne leur coupe pas la parole, mais elles considèrent souvent que le débat, c'est le terrain naturel des hommes, qu'elles auront beaucoup de mal à s'y exprimer. Donc pour avoir une femme dans Ce soir ou jamais, il faut en appeler quatre, souvent. Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que d'appeler un homme, enfin d'inviter un homme. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a un tiers, plus d'un tiers, ça j'en suis sûr. Bon voilà, vous avez tous ces critères-là qui rentrent en ligne de compte et qui font que c'est absolument injouable. C'est-à-dire que vous n'arriverez jamais à avoir aussi des jeunes et des vieux, enfin, vous voyez, tout ça. Et donc, à la fin, vous avez quelque chose qui est loin de votre idéal, mais qui tend vers cet idéal-là. Voilà. Alors, parfois, il n'y a pas de tête d'affiche, parfois, il n'y a pas d'excentrique, parfois, il n'y a pas assez de contestataires. On peut dire à chaque fois qu'il n'y a pas assez de femmes, puisqu'il n'y en a pas forcément la moitié, etc., etc. Parfois, c'est les jeunes qui manquent, etc., etc. Parfois, il n'y a pas de débat, comme une mission récente sur le Kosovo, l'OTAN. Ah, il y avait un débat quand même, mais pour d'autres raisons. Il se trouve que sur l'OTAN, ceux qui étaient contre l'OTAN étaient beaucoup plus en verve que ceux qui étaient censés le défendre. Et puis, parmi ceux qui le défendaient, il y en avait qui le défendaient tout en disant du mal. Donc, oui, c'est très intéressant. Duplessis, qui était là, est pro-OTAN, mais il disait, c'est pas parce que ça défend... Ils défendent mes intérêts, nos intérêts, donc je suis pour l'OTAN. Mais en même temps, je suis d'accord qu'ils font des guerres, qu'ils se conduisent aussi mal que les autres, etc., etc. Donc, effectivement, vous pouvez avoir l'impression qu'il accablait l'OTAN, mais en réalité, il le défendait. Ouais. Et puis, vous avez ça aussi, à un moment, tout à coup, ceux qui sont là pour défendre... Donald Morrison, par exemple, est un Américain pro-OTAN, n'était pas celui qui avait le plus envie de parler ce soir-là, alors qu'il peut être très bavard dans d'autres circonstances, c'était pas la première fois qu'il venait, et il n'avait pas non plus une idée de l'OTAN idéale. La seule qui est vraiment défendait l'OTAN et a une vision idéaliste de l'OTAN, c'est Catherine Grandperrier, et elle l'a défendue, mais elle était moins en verve que d'autres. Il faut voir aussi que quand tout à coup vous faites une émission sur l'OTAN où on va critiquer l'OTAN, ce qui n'arrive jamais à la télévision, la prime est évidemment aux contestataires, à ceux qui sont anti-OTAN, parce que vous les entendez d'autant mieux que vous ne les entendez jamais. Et alors, donc l'autre question c'était... Combien de personnes choisissent les invités? Vous en avez 6 qui s'occupent aujourd'hui dans la formule hebdo. Ils étaient plus nombreux auparavant, mais ils sont grosso modo 6, plus une rédactrice en chef, plus moi. Et à la fin, c'est moi qui tranche. Donc on peut dire, si vous voulez, que c'est moi qui choisis, puisque personne ne m'imposera jamais quelqu'un. Maintenant, je les écoute, et quand ils me disent qu'il faut vraiment essayer cette personne, on l'essaye. Moi, ce que j'avais compris de ce que je sais, c'est que Christophe Bourseiller, quand il était dans votre équipe, je crois qu'il n'y est plus. Non, il est. Avait un rôle plus important que d'autres. Pas du tout, c'est pas faire de tort à Christophe que de lui dire non, Christophe. C'est pas lui qui m'a dit. Je pense pas que ce serait lui qui vous l'aurait dit, effectivement. Il se trouve qu'il avait un titre de conseiller éditorial. Voilà. C'est peut-être ça qui vous a mis. C'est simplement que quand Christophe est rentré, je l'ai fait rentrer en cours d'année de Ce soir ou jamais, et il était, on va dire, le plus expérimenté. Il avait écrit un certain nombre de livres et que j'allais pas le mettre au générique comme journaliste. C'est-à-dire qu'il n'était pas là exactement au même titre que tous les autres qui, eux, étaient des journalistes qui avaient travaillé à la télévision et qui n'avaient pas une célébrité particulière. Donc voilà, il ne faut pas se fier à ce qui est écrit sur la fin des génériques de télévision. Maintenant, Christophe a eu beaucoup d'influence sur cette émission, mais il n'en avait pas plus que les autres, et de toute façon, à la fin, c'est moi qui tranche. Bon. Alors, attardons-nous quand même un tout petit peu sur son cas, parce que c'est intéressant. Vous l'avez invité quand même 4 fois. Si souvent que ça ? Alors, je l'ai invité avant qu'il ne travaille dans cette émission, d'abord. Et pendant. Et je l'ai invité pendant, effectivement. Et après aussi. Ouais. Et ça vous choque ? Non, je... Mais il se trouve qu'il a écrit des livres, et des livres intéressants, et qu'il n'est jamais... Alors, c'est quand même un peu spécial dans Ce soir ou jamais, c'est qu'on vient
Mais on ne parle pas forcément de son livre. Et puis lui, il est venu, je me souviens. À chaque fois, il y avait des sujets où ça aurait été débile de ne pas l'inviter parce qu'il avait quelque chose à dire, tout simplement. Il est conseillé, bon, avant ou après, ok, mais quand il est conseillé. Non, franchement, je m'en fiche complètement. Il se trouve que c'est moi qui invite les gens à la fin. Et donc, oui, j'assume totalement d'avoir invité deux fois au moins pendant qu'il travaillait. Dans cette émission. Et une fois d'ailleurs, parce qu'il m'a bien tiré une épine du pied, je m'en souviens maintenant, parce que normalement il ne devait pas y être. Et puis, il y avait quelqu'un qui, je ne sais plus qui, on voulait, parce qu'il y a aussi ça. Il ne faut pas croire que quand vous faites Ce Soir ou Jamais, qui est une émission qu'on a fait pendant 5 ans quotidienne, donc très souvent du matin pour le soir, vous avez les gens que vous vouliez avoir. Vous ne les avez jamais, les gens que vous vouliez avoir. Ils ne sont pas libres. Ah oui, mais ils ne sont pas libres, ils ont autre chose à faire, ils ne sont pas à Paris, ils n'ont pas envie de discuter avec machin, etc., etc. Donc, entre l'idée d'un plateau idéal que vous voudriez faire, moi, je ne sais pas, sur l'OTAN, par exemple, puisqu'on parlait de l'OTAN, et puis ce que vous avez à la fin, il y a une marge. Et très souvent, vous allez inviter des gens parce que celui que vous vouliez au départ n'était pas là. Et puis, dans le cas de Christophe Bourseiller, je me souviens, au moins une des deux fois, il ne devait pas être là, sur le plateau. Et puis, je l'ai mis sur le plateau parce que je n'avais pas les autres que je voulais. C'est pas l'émission sur le rock Non. Ça, c'était l'émission sur la New Wave. Il venait vraiment d'écrire un livre sur la New Wave et je voulais faire un débat entre lui et Jean Rousseau. Non, c'est une autre émission. Je ne sais plus laquelle. Bon. Alors, et pour prendre un autre exemple, bon, ce n'est pas un secret, il est franc-maçon, donc il l'a annoncé. Je ne le suis pas. Mais... très bien, c'est comme ça. Et alors, le 11 février 2008, autre émission comme sur l'OTAN, même si bon, vous nuancez, émission où il n'y a que des francs-maçons. C'est vrai. Vous vous rappelez, non? Ah, sur la franc-maçonnerie. Sur la franc-maçonnerie. Ah oui, non, parce que je me suis dit, ça aurait pu être. Moi, je fais absolument pas attention aux gens qui sont francs-maçons, qui sont. Non, mais là, je c'est, compte c'est, pas. C'est donc... vous qui l'avez dit, c'est pour ça que je me permets de le dire. Donc, vous faites une émission sur la franc-maçonnerie, et comme vous l'annoncez vous-même sur le plateau, la plupart des invités sont francs-maçons. Mm-hmm. Roland Dumas et d'autres. Bon. À la Boer. Oui, ouais. Entre autres. Et du coup, il n'y a pas eu. Enfin, j'ai pas noté, j'ai écouté toute l'émission, j'ai pas noté d'avis critique sur la franc-maçonnerie. Non, parce que dans ces cas-là. Parce que j'en venais de là, c'est que Christophe Bourseiller, étant franc-maçon, étant conseiller éditorial, vous voyez, non. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts Pas du tout. Alors, dans le cas. Quand je fais une émission comme celle-là, j'ai pas fait une émission de débat sur la franc-maçonnerie pour ou contre la franc-maçonnerie. J'ai fait une émission sur les francs-maçons avec des francs-maçons. Ils n'étaient pas tous d'accord entre eux. Mais pas sur la franc-maçonnerie. C'est le but, c'était pas ça. C'était pas tout à coup de dire pour ou contre la franc-maçonnerie. On en a fait des tonnes des débats comme ça. Moi, ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était de réfléchir sur la franc-maçonnerie aujourd'hui. Donc, évidemment, de n'inviter que des francs-maçons. J'ai fait très souvent des émissions sur la droite avec que des gens de droite. Mais des gens de droite très très différents. Parce que entre Philippe Nemo et Alain de Benoît Chantal Delsol, par exemple. Je ne sais pas si j'ai fait cette émission-là, mais j'aurais pu la faire avec ces gens-là. Il n'y a rien à voir. Donc c'est très intéressant de réfléchir sur la droite avec que des gens de droite, comme j'ai fait des émissions sur la gauche, avec que des gens de gauche, d'extrême-gauche, de centre-gauche, et c'était très intéressant aussi. C'est une façon de renouveler le débat. On ne va pas faire une émission... Imaginez que je fasse une émission sur la gauche avec trois personnes de gauche et puis trois personnes de droite. Vous n'avez pas l'impression que vous avez vu cette émission toutes les semaines à la télé, dans toutes les émissions politiques. Bon. Mais est-ce que vous feriez une émission sur la franc-maçonnerie et que des gens contre la franc-maçonnerie? Ce serait moins intéressant, parce que quel serait le débat? Vous voyez, moi ce qui m'intéresse, c'est de quoi... La manière dont ils sont... Oui, je comprends. On pourrait le faire, oui, mais ce serait franchement moins intéressant. C'est très intéressant de faire une émission sur la franc-maçonnerie avec que des francs-maçons qui ont une vision différente de la franc-maçonnerie. Moi, c'est une façon de renouveler le débat. Sinon, on fait toujours les mêmes débats. C'est le Parti Socialiste, on va discuter du Parti Socialiste. Alors non, vous savez, c'est le cas typique, puisqu'on me l'a reproché. On fait une émission sur l'extrême droite... Et j'ai invité des gens de l'extrême droite. J'ai invité des gens qui allaient peut-être voter pour Marine Le Pen. Et en tout cas, l'un d'entre eux, d'ailleurs, non seulement voté pour elle, mais s'est présenté sous ses couleurs depuis lors. Alors, ils étaient trois. Et il y avait quatre personnes en face qui étaient anti-Front National. Et je me souviens que ça m'était reproché par Laurent Geoffrin, qui avait dit que c'était un débat totalement déséquilibré, parce qu'il y avait trop de gens d'extrême droite. C'est extraordinaire, vous voyez, c'est une conception de la télé, c'est-à-dire si on parle de l'extrême droite, il faut en parler avec l'UMP et le PS. Les autres n'ont pas le droit de donner leur avis, surtout pas l'extrême droite. Moi, évidemment, j'invite des gens de l'extrême droite. C'est fait moitié-moitié, quoi. En l'occurrence, là, j'aurais très bien pu faire, je pourrais très bien faire, s'ils deviennent assez puissants, je pourrais très bien faire une émission sur l'extrême droite avec que des gens de l'extrême droite. Mais il faudrait qu'ils soient assez puissants pour que tout à coup, il y ait des courants tellement différents à l'intérieur que ça devienne intéressant pour faire une émission de télé.
Alors, je reste sur Christophe Bourseiller, parce que il se trouve qu'en 2010, c'est pas une obsession de ma part, mais enfin, en 2010, Michel Maffesoli a fait paraître un livre d'entretien avec Christophe Bourseiller. Ouais. Et il se trouve que c'est votre... mon invité préféré. Enfin, votre, plus nombreux, c'est ça. Donc vous en avez conclu, invité, ouais. Vous en avez conclu que c'était Est-ce mon invité c'est préféré. Oui, c'est totalement hasard. Je pense que c'est moi qui ai... Alors, je dirais pas que c'est moi qui ai fait connaître Michel Maffesoli à Christophe Bourseiller. Je dirais pas jusque-là, parce qu'il est, il connaissait, il est très pointu, il connaissait très bien. Mais c'est moi qui avait envie d'avoir Michel Maffesoli dans mon émission au départ. C'est pas Christophe Bourseiller. Je pense même qu'il est venu avant que Christophe Bourseiller soit nommé conseiller éditorial de cette émission. Enfin, journaliste. Et après, il se trouve que tout le monde dans l'émission, tous ceux qui programment cette émission, adorent Michel Maffesoli, que lui-même est assez libre, ils seront libres assez facilement. Donc, dès qu'ils ont une place libre, ils invitent Michel Maffesoli, si vous voulez. Et souvent, je cède, en dépit du fait que je leur dis, comme vous me l'avez fait remarquer, qu'on n'arrête pas d'inviter Michel Maffesoli, ce serait bien d'en inviter d'autres. Non, c'est pas Christophe Bourseiller qui m'a imposé Michel Maffesoli, pas plus qu'il m'a invité, qui m'a imposé qui ce soit d'autre. Alors très bien, laissons Christophe Bourseiller tranquille. Donc ce soir ou jamais, diffusé sur France 3, c'est donc une émission de service public, et donc financée par tous les Français. Mm-hmm. Est-ce que vous diriez que le choix des invités par vous et votre équipe reflète la diversité d'opinions dans le peuple français ? Je me fous, ça va avoir l'air d'être méprisant, ce que ça n'est pas, mais je me fous de la diversité d'opinions des Français. C'est-à-dire que je ne fais pas une émission représentative de ce que pensent les Français. Je fais une émission qui se veut la plus diverse possible sur les artistes et les intellectuels. C'est pas les Français, c'est les artistes et les intellectuels. Je fais une émission culturelle. Ça viendrait à l'esprit de personne de se demander si Bernard Pivot a invité des écrivains représentatifs des Français. Non, il a invité des écrivains représentatifs de ce qui s'écrivait à l'époque où il animait Apostrophe. Moi, c'est encore différent parce que c'est une émission qui est beaucoup sur les idées, où on ne vient pas vendre son livre, donc je peux réinviter des gens qui reviennent pour parler d'autre chose, puisque de toute façon, ils ne parleront jamais de leur livre, donc je n'ai pas l'impression de faire leur promo. C'est pas comme si j'invitais trois fois quelqu'un qui vient me reparler du même livre, c'est inimaginable. Mais en revanche, il n'y a pas de problème, parce qu'ils viennent parler de choses différentes. Et donc, voilà, ce que pensent les Français, la représentativité des Français, je laisse ça aux émissions politiques. Il y en a suffisamment, la télé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la diversité des idées, des opinions, des ressentis. Voilà, des visions du monde, au fond. Alors justement, 31 personnes ont été invitées, 10 je crois, ou plus. Alors attendez, est-ce que vous êtes sûr de vos comptes? Parce que je vous ai rectifié, je vous en ai rectifié de quelques-uns, voilà, quand même. Hein, il y en avait que vous aviez oublié. On a tout recompté, Tout recompté. Donc a priori, sauf erreur de notre part, 31 personnes ont été invitées 10 fois ou plus. 137 personnes. Attendez, parce qu'arrêtons-nous sur ça. Vous rendez compte, j'ai fait plus de 600 émissions. Oui, bien sûr. Et vous dites qu'il n'y en a que 30 qui ont été invités 10 fois. Donc, ou plus. 10 fois, si je compte bien, ça fait 5% des possibilités d'avoir été invité. Non, attendez, 10 fois. Mais non, c'est 10 fois, c'est un 60e de ce que j'ai fait. 10 fois sur 4300 ? Non, sur plus de 600 émissions. Ah, sur les émissions. Oui. Vous vous rendez compte qu'en plus de 600 émissions, les mastodontes ont été invités 10 fois. Mmh. C'est très peu. Oui, puisque vous avez une des pluralités les plus importantes du parc. Ah oui. C'est-à-dire, vous imaginez, si vous comptiez chez Calvi, j'en parle pas, chez Arlette Chabot, ou dans les émissions politiques, c'est toujours les mêmes. Même chez Pivot, je serais très intéressé, puisque Pivot, je crois que son record, c'était Jean d'Ormesson qui avait été le plus invité. Pivot ayant fait à peu près 700 émissions, lui en 15 ans, moi je les ai faites en 7, puisque j'ai été quotidienne pendant très longtemps, mais vous auriez obtenu les mêmes scores à peu près. C'est très bien, je suis très fier de moi. Parce que moi, en général, non, je ne suis pas fier de moi du tout. C'est-à-dire que je pense beaucoup de mal de tout ça. C'est-à-dire que je trouve qu'effectivement, on a trop invité un tel, pas assez invité des tas de gens que je ne connais pas, et donc je suis assez sévère avec moi. Mais quand je me compare, je me trouve plutôt pas mal. C'est la fameuse expression. Alors justement, 31 personnes invitées 10 fois ou plus, 137 5 fois ou plus, 326 3 fois ou plus. Mais quand même, pourquoi inviter quelqu'un 3 fois ou plus quand des centaines, des milliers d'autres ne sont pas invités? Parce que tout le monde ne se vaut pas. Voilà, je vais vous dire. De même que je dis souvent, il ne faut pas compter les téléspectateurs, il faut les peser. Je pourrais vous dire la même chose sur les invités. Woody Allen, c'est pas...
c'est pas Michel Lang, vous voyez. Alors, si, Michel Lang, c'était le réalisateur de Nous les petites anglaises, vous voyez. Donc, si vous m'aviez dit, pourquoi vous avez invité en 7 ans, en 6 ans, pourquoi vous avez invité 3 fois Woody Allen et jamais Michel Lang? Je vous dirais, c'est pas la même chose. Et vous ne me poseriez pas cette question, parce que vous le savez bien que Woody Allen et Michel Lang, c'est pas la même chose. Et là, c'est la même chose, premièrement. Il y a des gens que je trouve, à tort ou à raison, plus intéressants que d'autres. Il y a des gens qui sont intéressants sur beaucoup de sujets. Ça augmente la possibilité de les inviter. Je me souviens que dans vos contes, j'ai vu Gisèle Halimi, par exemple, que vous avez comptabilisé dans les antisionistes. Ce qu'elle est, ma connaissance. Gisèle Halimi, je l'ai invité sur le féminisme, je l'ai invité sur des tas de sujets. Sur la guerre d'Algérie, où ses rapports avec l'État d'Israël n'avaient aucune importance. Ce serait intéressant de savoir combien de fois j'ai invité Gisèle Halimi pour parler d'Israël. Je précise qu'elle est juive d'ailleurs. Vous comprenez que c'est une grille de lecture quand même, d'être antisémite. Qui n'est pas la mienne. Non, qui n'est pas la vôtre. Mais c'est, une grille de lecture. C'est comme le fait d'être franc-maçon. Si vous aviez compté combien de francs-maçons étaient invités, alors là vous l'avez fait pour une émission sur les francs-maçons. Vous auriez compté combien il y a eu de francs-maçons invités dans mon émission, vous auriez peut-être trouvé un chiffre astronomique et je vous aurais dit, mais je ne sais même pas qui sont francs-maçons. Voilà. C'est comme si vous comptiez les juifs, comme si vous comptiez les homosexuels. Ça ne vient pas à l'esprit ni de compter les juifs, ni de compter les homosexuels. Voilà. Alors on pourrait le dire sur les noirs, par exemple, ça se voit. Tout à coup, on me dit, ah là, il y a quand même. Vous êtes l'émission la plus. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Mais c'était un compliment. Comment on dit pour la diversité. Voilà. Et je disais, très bien, voilà, il y a beaucoup de gens d'origine maghrébine. Je dis, très bien. Mais je ne les compte pas. Il se trouve qu'il y en a certains, d'ailleurs, j'ai découvert que sur le plateau, qu'ils étaient ou noirs ou maghrébins. Je ne fais pas une discrimination positive. Je ne fais pas de discrimination positive. La seule que je fais, c'est sur les femmes. Alors, ouais. Ça, je le dis, je le revendique, je la fais. Mais sinon, c'est tout. Voilà. Donc, alors, pourquoi je vous disais tout ça? Parce qu'on n'est pas des gens qui ne sont pas invités par ailleurs. Alors, voilà, il y a des gens qui ont des choses intéressantes sur plein de sujets. Il y a des gens qui sont beaucoup plus connus que d'autres. Et de ce fait, les gens qui travaillent avec moi, et moi, on les connaît plus que les autres. Il y a tous les gens qu'on ne connaît pas. C'est vrai. Toutes ces raisons font que on arrive à ça. Et encore une fois, je me blâme pour ça. Mais pas au point où vous me blâmez. C'est-à-dire que je me blâme dans le sens où il y en a tellement d'autres que je pourrais inviter et que je n'invite pas parce que nous ne les connaissons pas. Et je le reconnais. Et si je vous montre, je vous montrerai en sortant tous les livres que je viens de recevoir, rien que pour la rentrée, si je devais les lire, si vous voulez, ça me prendrait plus que mon été. Plus que mon été. Rien que ceux qui sont déjà arrivés. Donc, vous voyez. J'ai une équipe, enfin. Oui, j'ai une équipe, bien sûr. Mais on n'est pas. Et c'est, nous, ce qui va nous intéresser, encore une fois, c'est les visions du monde. Il y a des gens qui ont beau écrire des livres, ne sont pas des écrivains pour moi, ne sont pas des grands écrivains, et n'ont surtout pas de vision du monde. Et c'est très difficile de le. Comme je ne vais pas leur demander de me raconter leurs livres, comme le faisait Bernard Pivot à son époque, qui faisait une émission littéraire, je ne vais pas les prendre en leur disant, alors voilà, le personnage, c'est un petit peu vous, etc. Vous voyez, toutes ces questions que Pivot posait merveilleusement, mais que je ne pose jamais. Moi, je ne demande jamais à quelqu'un de me raconter ce qu'il y a dans son livre. Jamais. À part quand, tout à coup, c'est l'essai qui fait l'événement, qui renouvelle totalement la pensée qu'on peut avoir sur tel sujet. Et à ce moment-là, je vais m'y intéresser, évidemment. C'est le sujet de votre émission. Voilà. Mais soit ça devient le sujet, soit parfois même je l'ai en face à face parce que ce qu'il a écrit m'intéresse beaucoup et que j'ai envie qu'on comprenne avant de le mettre en débat, mais qu'on comprenne. Et donc, je vais parler avec lui pendant un certain temps. Mais sinon, c'est pas le cas. Donc, vous avez effectivement des gens que vous n'inviterez pas. Il y a aussi des gens que vous n'invitez pas, alors que par ailleurs je les invitais énormément quand je faisais Paris Dernière, parce qu'ils sont moins à l'aise sur un plateau de télévision où on est assis, où on débat, et ils ne sont pas à l'aise. Je pense aux actrices de cinéma, les jeunes actrices par exemple. Paris Dernière, c'était bourré de jeunes actrices. Toutes les jeunes actrices venaient dans Paris Dernière, elles y étaient merveilleuses. Mais parce que ça se passait la nuit dans Paris, qu'on discutait à bâton rompu, c'était très décontracté. Là, tout à coup, vous leur demandez de venir discuter d'un sujet grave, sérieux, même parfois léger, mais de venir en discuter sérieusement. On peut en rire. Mais voilà, elles sont moins à l'aise. Donc je les inviterai moins, alors que je les adore. Et certaines d'entre elles sont mes amies, elles ne sont jamais venues dans Ce Soir ou Jamais. Vous voyez, etc. etc.
Alors, parmi les personnalités qui ont demandé officiellement à être invitées par vous dans Ce soir ou jamais... Il y en a beaucoup. Il y en a. Alors, je vous cite François Asselineau. Oui, alors François Asselineau, je dois dire qu'il n'est pas le seul, parce que je ne peux plus prendre un taxi quasiment sans qu'on me dise quand est-ce que vous invitez François Asselineau. Et donc, j'ai hâte, très sincèrement, d'avoir François Asselineau sur mon plateau. Ah. J'ai rien contre lui, à vrai dire, je le connaissais même pas. Ouais. Et je le reconnais. Et que je ne le connaissais pas. mais là, je me dis, il suscite un tel engouement, ou alors il a de tels... je ne sais pas s'il est franc-maçon, et tous les chauffeurs de taxi sont francs-maçons. Encore une fois, moi, je n'ai pas de vision complotiste. Donc, il revendique plus d'un millier de militants. Donc... Alors, c'est peut-être ça. Alors, bah, écoutez, ils sont tous chauffeurs de taxi, mais là, ces dernières semaines... alors, il se trouve que cette année, de toute façon, ce que je leur répondais, je ne pouvais pas l'inviter, puisque je ne pouvais pas inviter d'homme politique à cause des élections présidentielles. Mais je vous promets que je vais l'inviter, parce que je suis vraiment curieux de rencontrer ce type. Et il a intérêt à ne pas être décevant, hein, je peux vous dire. Moi, je me fais le relais de ce que j'entends aussi. Hein. Donc, François Asselineau sera invité dans Ce soir. Alors, je vous ai... Qui d'autre? Enfin, il n'y en a pas d'autres? Oh, j'en ai certainement d'autres, mais je... Je peux vous dire, il y a Claude Cavanne. Eh bien, Claude Cabanne, un ancien de l'Humanité, qui a dit à plusieurs fois dans les émissions que je le boycottais. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai envie de lui envoyer un mot, lui dire si Claude Cabanne écrivait un livre, je vous inviterais. Est-ce que c'est un critère? Parce que vous invitez des gens qui n'ont pas écrit de livre. C'est très rare. Non, mais qui n'ont pas écrit de livre ou qui font des films, qui ont un rapport. Par exemple, comment s'appelle ce syndicaliste qu'on a vu beaucoup, qui s'était... Continental? Oui, ouais, voilà. Exactement. Et j'ai fini par l'inviter, là, cette année, et il arrive, il me dit « Ah, vous étiez le seul qui m'avait jamais invité ». Je lui dis « Mais c'est normal ». Je lui dis « Moi, je suis une émission culturelle, je ne vais pas inviter tous les syndicalistes qui font parler d'eux ». Et il se trouvait qu'il venait de jouer dans un film, et donc je l'ai invité. Voilà. Alors, c'est pas pour autant que je le prends pour un acteur, vous voyez, mais qui va peut-être devenir, d'ailleurs, j'en sais rien. Mais voilà, il y a une espèce, et aussi ça, sinon je peux inviter tout le monde, je peux inviter mes voisins aussi. Vous voyez, parce que j'ai des voisins qui disent des choses formidables. C'est pour ça que j'ai créé un site qui s'appelle Newsring, qui est un site de débat ouvert à tout le monde, parce que tout le monde a des choses intéressantes à dire. Quand je lis les tweets, après l'émission, ça me fait mourir de rire. Ils sont tous super intelligents, ils ont tous réponse à tout, ils ont tous tout compris, etc. C'est merveilleux. Et ils tous ont l'air de s'étonner que je les invite pas. Ben oui, mais je suis désolé, écrivez des livres. Bon, voilà, c'est quand même un des critères pour que j'invite les gens. Je fais une émission culturelle, il faut qu'ils soient dans la culture, d'une manière ou d'une autre. Alors ça tombe bien, puisque justement, on vous a transmis la liste qu'on a faite nous-mêmes, non pas pour vous, mais enfin pour les émissions en général, de télévision publique qui regroupe une centaine de personnalités qui ont justement écrit des livres et que je n'ai jamais invité. Ouais. Alors, vous avez invité certains d'entre eux, j'avais noté leurs noms, donc Patrick Goffman, Guy Millière, Jean Salem, Rémi Brague, Frédéric Lordon, Alexandre Delval, donc puisque vous êtes un Philippe Desmaux qui est dans votre liste. Ah, il est invité par ailleurs aussi. Ah, quand même. Mais il est dans la liste aussi, oui, c'est vrai, je ne vais pas citer tout le monde. Et donc, l'idée, c'est, est-ce que ça peut vous aider, justement, à absolument, mais tout à fait. Mais je vous garantis que cette liste va me servir. Alors, Mehdi Belhaj-Kassem, il se trouve qu'on l'a invité, il n'a jamais voulu venir. Dans le cas de Frédéric Lordon, vous dites qu'il n'est jamais invité à la télé, il le dit souvent aussi, enfin, je le connais, il est impossible d'avoir Frédéric Lordon sur une émission. Je sais qu'après l'émission qu'il est venu faire dans Ce soir ou jamais, tout le monde voulait avoir Frédéric Lordon, tellement tout le monde l'avait trouvé formidable. Mais il a refusé tout le monde. Pourquoi il a accepté avec vous ? Il a accepté avec moi parce que quelqu'un qui travaille avec moi le connaît bien et qu'elle a réussi à convaincre. Deuxièmement, parce qu'il a remarqué que dans cette émission, il y avait un véritable pluralisme, en particulier dans le domaine de l'économie. J'ai pas attendu qu'il y ait la crise des subprimes pour inviter des économistes anti-euro, pour inviter des économistes marxistes, pour inviter aussi des économistes ultra-libérales qu'on n'invite jamais. Il a remarqué, et toute la bande de Lordon, tous ceux qui ont fait le film sur les nouveaux chiens de garde, ils sont venus aussi dans mon émission, ils ne sont pas allés ailleurs, parce qu'ils reconnaissent que il n'y a pas chez moi ce diktat de la pensée unique, au contraire, même, il est souvent battu en brèche, qu'on peut s'y exprimer, qu'on aura le droit de finir sa phrase. Donc Lordon est venu, il est venu à certaines conditions que j'ai respectées, et je trouve ça, moi ça ne me dérange pas qu'on mette des conditions tant qu'elles sont, qu'on peut qu'elles sont compatibles avec les conditions. Ces conditions il ne voulait pas débattre à quatre, il voulait débattre avec une seule personne, il avait l'impression que sinon on allait se perdre dans des méandres, il a le droit de le penser, je respecte tout à fait cette idée, il n'est pas le seul, d'autres me l'ont demandé. Voilà, c'était pas compliqué, c'était que ça, qu'on ne soit pas nombreux.
Et que, qu'il ne soit pas au milieu de plein d'invités qui, même s'ils n'intervenaient pas, auraient fait peser une espèce de pression sur le débat. Donc je l'ai mis sur une partie à part du plateau. Voilà, c'est tout. Mais leur don, je serais ravi qu'ils viennent plus souvent, hein, je peux vous dire. Il y a beaucoup d'invités comme ça qui vous demandent des choses spécifiques. Pas tellement, mais il y en a certains qui demandent, mais pas des choses... Il y a ceux qui voudraient ne venir que face à moi. Et cela, c'est un problème. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et que je le fasse une fois, parfois même deux fois, mais après, je veux qu'ils acceptent la contradiction. Or, moi, même si je peux porter une forme de contradiction dans mes interviews, je n'invite pas mes invités pour débattre avec eux. Donc après, je veux qu'ils viennent en débat. Et tous ne veulent pas. Voilà. Dans tous ces gens-là... C'est tout à fait utile pour moi. Je demande, moi, par exemple, à mes équipes, tous les étés, je leur dis, vous avez intérêt à passer l'été à me trouver des jeunes et des femmes. Parce que c'est toujours ce qu'il y a de plus difficile. C'est-à-dire que, pour les raisons que je vous expliquais en ce qui concerne les femmes, et pour les jeunes, parce que par définition, on ne les connaît pas. Et il fut un temps, moi, quand j'étais dans Actuel, et puis ensuite, quand je faisais Paris Dernière, je connaissais absolument tous les jeunes qui arrivaient. Et si vous vous reportez à mes articles dans Actuel sur les livres en particulier, puisqu'il m'avait donné la rubrique des livres, bien que je ne sois pas critique littéraire, je suis assez fier d'avoir repéré à peu près toute ma génération, si vous voulez. Elle est là. Il n'y a pas eu d'oubli qui sont un peu pénibles. Encore qu'on ne peut pas le savoir, justement. Oui, enfin déjà, on en a une petite idée aujourd'hui, mais vous avez raison, bien entendu. Vous avez tout à fait raison. Enfin bon, s'il y avait des génies dans cette génération, aujourd'hui, 20 ans plus tard, on va dire, et encore, il y a 20 ans, on avait 30 ans, mais 20 ans plus tard, ils ont publié. Vous voyez, ils ne sont certainement pas reconnus comme des génies, puisque les génies ne sont jamais reconnus comme des génies de leur vivant. On fait généralement des piédestals à des écrivains un peu fadasses, mais rarement aux génies. Mais bon, ils existent. Il se trouve que Ce soir ou jamais, c'est pas l'émission, elle n'est pas portée naturellement vers les plus jeunes. Paris Dernière, évidemment, était portée vers les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont dehors, ceux qui bougent, ceux qui vivent, etc. Donc c'est plus difficile. Donc voilà, chaque été, je leur dis, revenez avec de nouveaux noms, des femmes, des jeunes. Et puis après, c'est en fonction des sujets. C'est-à-dire que votre liste est très bien, mais il faudrait en plus que je sache sur quoi portent leurs livres. On y travaille, par exemple. On peut travailler un peu aussi, nous. Mais a priori, c'est très divers, il y a tous les sujets. En fait, on a pris un critère objectif qui est le nombre de livres publiés et par rapport à des passages télévision publique. Mais je suis sûr que vous avez fait une liste qui est la vôtre, c'est-à-dire avec vos critères à vous. Je suis sûr que là-dedans, par exemple... Ce sont nos lecteurs, en fait, qui nous ont envoyé... Voilà, vous n'avez pas... comment s'appelle-t-il ? Gigi Arnaud, par exemple. Alors, je crois qu'il est mort, Gigi Arnaud. Et Gigi Arnaud, c'était un auteur de petits polars dans des collections pas du tout prestigieuses, dont personne quasiment n'a jamais parlé, sauf moi dans Actuel. Et personne ne l'a jamais invité nulle part, et tout le monde trouve ça normal. Vous voyez qu'on n'invite jamais Gigi Arnaud. Vous avez plutôt privilégié, j'imagine, les intellectuels, les auteurs d'essais. C'est pas moi, justement, c'est nos lecteurs qui sont un peu éclectiques. Mais cette liste n'est pas ni exhaustive, ni... Voilà, mais par exemple, il y a des tas d'acteurs qu'on n'invite jamais nulle part, et tout le monde trouve ça normal, vous voyez, etc. Là, on n'a pas mis les acteurs, mais voilà. De toute façon... Et des danseurs classiques, voilà, je ne vous en parle même pas. Ils viennent que chez moi. Donc, de toute façon, on vous transmettra les mises à jour de cette liste. Avec plaisir. Si ça vous intéresse. Alors, justement, le premier de cette liste est René Pommier. Oui, vous m'avez fait découvrir. Voilà, ancien maître de conférence à la Sorbonne, spécialiste de Roland Barthes, de René Girard, de Freud et du XVIIe siècle. Il a publié... Alors, je vous arrête, mais ça me semble très intéressant. Le premier, c'était... De Barthes, j'ai jamais fait d'émission sur Barthes. Enfin, il est mort il y a longtemps, mais... Oui, non, mais je fais pas d'émission sur des écrivains morts, par exemple. Donc déjà, j'ai pas de raison d'inviter. Ensuite, sur Freud, il se trouve que j'aurais pu l'inviter face à Onfray, mais il se trouve que cette émission n'a pas eu lieu. En plus, ils sont d'accord. Donc je l'aurais pas invité. Vous auriez pas invité Onfray. Mais il se trouve qu'à la fin, on a arrêté l'émission parce que j'avais demandé à Onfray de faire cette émission avec que des contradicteurs. Et d'ailleurs, il a raconté dans son blog, il a dit que tout s'était très bien passé entre lui et moi depuis qu'il est revenu, mais qu'à la fin, on s'était mis d'accord pour dire que bon, bah, tant pis, on n'allait pas faire l'émission parce que finalement, il ne voulait pas des contradicteurs qu'il était possible d'inviter. Et que sinon, les autres étaient tous d'accord avec lui. Et troisième sujet,
vous m'avez dit. René Girard. Moi, j'ai eu René Girard dans mon émission. Il est venu à plusieurs reprises. Donc, je ne fais pas d'émission sur René Girard, mais je fais une émission avec René Girard. Et puis, le XVIIe siècle, ça, on n'en parle jamais dans Ce Soir ou Jamais. C'est un d'ailleurs des problèmes de cette émission. J'adorerais faire des émissions sur le XVIIe siècle. J'adorerais faire des émissions sur l'histoire, sur la guerre de 14. Et elle est faite de telle manière qu'on ne peut pas parler du passé dans Ce Soir ou Jamais. On peut faire des allusions au passé pour éclairer le débat qu'on est en train d'avoir sur le présent, mais on ne fait pas d'émission sur le passé. Donc vous voyez, c'est déjà plusieurs raisons pour lesquelles je ne l'ai jamais invité. Non, je pense pas, parce que justement, il est aussi membre de l'Union Rationaliste, il est à la Libre-Pensée, d'accord. Il a... Non, mais ça, là, ça veut dire que simplement... Voilà, ça veut dire que je... Ça veut dire que simplement, je ne le connais pas. Bon, voilà. Et il n'a jamais été invité à la télévision publique. Je vous promets que... Ni à France Culture. Voilà. Et je vous promets que je l'inviterai dès la rentrée. Alors... Je suis pas... Non, j'ai bien compris. Mais je veux dire par là il n'y a aucune raison objective de ne pas l'inviter. Vous avez tout à fait raison. Bon, alors, il habite un peu loin, il est à Bourg-en-Bresse. Dans ces cas-là, mais je peux vous dire, on en a fait venir de plus loin et en plus, on leur paye le voyage et l'hôtel. Bon. Il sera ravi. Alors, à contrario, une des personnalités les plus invitées Ce Soir ou Jamais, elle n'a pas écrit le moindre livre. Si, elle a participé à un livre collectif, parce que je vous vois venir, c'est Auria Boutelja. Oui. Elle en a signé un, qui était d'ailleurs très intéressant, parce que assez visionnaire. Et je vous invite à lire. Ouais. Mais continuez. Il s'appelait comment J'ai oublié, mais c'était sur la révolte des jeunes. D'accord. Et en particulier des jeunes des banlieues. Et c'était très très bien. Bon, alors elle est porte-parole des indigènes de la République. Mmh. Vous l'avez invitée 10 fois. Donc moins que ce que vous aviez compté voilà, la première fois. C'était trop bien parce que, là c'est un mea culpa que j'ai fait sur le site d'ailleurs, parce que dans la base INA, vous avez à la fois les extraits et les émissions, ouais. Et des fois ça dédoublonne. Et surtout dans le cas d'Auria, il y a beaucoup d'extraits. Oui. Et alors justement, Alors pourquoi Auria, c'est ça oui, Alain Finkielkraut m'a posé la même question en m'invitant à France Culture. Vous l'avez invité autant de fois qu'Alain Finkielkraut par exemple. Ah oui c'est par bien. Exemple. Ouais. Et avec Ramadan, j'aurais pu. Ouais. Et ben, je vais vous dire exactement pour la même raison, en fait. Il se trouve qu'elle n'a pas écrit autant de livres qu'eux, mais la pensée d'Auria Boutelja, comme celle de Tariq Ramadan, et celle d'Alain Finkielkraut dans un autre genre, parce qu'ils sont plutôt antagonistes, sont des pensées que je trouve très intéressantes, particulièrement originales, en tout cas dans le débat français. Il n'y a pas tant de gens que ça qui défendent les mêmes points de vue qu'Alain Finkielkraut, Tariq Ramadan et Auria Boutelja. Pour autant, il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître ou en tout cas être intéressés par ce qu'ils disent. Et le fait de se reconnaître est pour moi un critère moins important que le fait d'être intéressé par ce qu'ils disent. Donc d'avoir une pensée originale, très bien structurée, intelligente, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec elle, ça n'entre pas en ligne de compte. Mais clivante. Sont évidemment des critères qui, pour moi, l'emportent sur beaucoup d'autres pour vous inviter dans Ce Soir ou Jamais, qui, je le rappelle, est une émission de débat. Donc plus vous avez une pensée radicale, clivante, intéressante, originale, plus j'ai envie de vous inviter, et moins je peux vous remplacer par quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes, la plupart du temps, le seul à avoir cette pensée-là, en tout cas de l'avoir de façon aussi claire, et de la maîtriser autant. Donc voilà, c'est un bénéfice que vous avez et qui fait que vous seriez invité plus souvent. Dans le cas d'Auria, le fait qu'elle n'ait pas écrit de livre n'empêche que cette pensée est extrêmement claire, elle est capable de la rendre efficacement sur un plateau. Vous n'avez pas du tout l'impression, quand vous entendez Auria Boutelja dans Ce Soir ou Jamais ou ailleurs, je ne suis pas non plus le seul à l'avoir invité, vous n'avez pas l'impression d'avoir une pensée, d'avoir quelqu'un qui. C'est pas une rappeuse, vous voyez, qui, comme il arrive parfois, avec une vraie révolte, mais une incapacité à la formuler. C'est là, au contraire. Certains la qualifient quand même d'islamiste, comme Tariq Ramadan. Mais je m'en fous complètement des étiquettes qu'on peut coller sur dans le cas d'Auria, de la qualifier d'islamiste, me paraît mourir de rire. Mais je ne crois même pas qu'elle croit en Dieu, n'a jamais fait la propagande de la religion, une propagande religieuse d'aucune sorte. Elle est pas du tout sur ce créneau-là, Auria. Elle est qualifiée d'extrémiste par ailleurs, oui. Mais on est toujours l'extrémiste de quelqu'un. Et de toute façon, pour moi, ça ne rentre pas en ligne de compte. Je ne suis pas là pour trier les gens qui ont des pensées acceptables et des pensées pas acceptables. Alain Finkielkraut s'est fait traiter de raciste, y compris dans Haaretz, le journal israélien. Il est considéré, il est extrêmement clivant, il y a des tas de gens qui le détestent, qui pensent qu'il n'aime pas les Noirs, qu'il n'aime pas les Arabes, etc., etc. Qu'est-ce que je fais? J'arrête d'inviter Alain Finkielkraut. Tout le monde me dirait, pourquoi t'invites pas Alain Finkielkraut?
Mais en revanche, quand c'est Auréa Boutelja, tout le monde me dit pourquoi t'invites Auréa Boutelja. Mais c'est pareil. Je ne les mets pas sur le même plan. Je ne les mets pas du tout sur le même plan. Mais je veux dire par là qu'ils ont autant de détracteurs l'un que l'autre. Voilà. Dans le cas de Tariq Ramadan, lui, il est considéré. C'est la branche intellectuelle d'Al-Qaïda, on dirait parfois, quand on écoute les gens. Je voudrais savoir que quelqu'un me dit. Enfin, il a eu le débat sur mon plateau. Tariq Ramadan, il est venu débattre avec Caroline Forest, sa pire ennemie. Il est venu débattre avec Alain Finkielkraut. Il est venu débattre avec tout le monde, avec Marc-Alain Wachnin. Ils sont entendus comme deux larrons en foire avec Marc-Alain Wachnin. Non, pas étonnant, c'est deux religieux. Donc, ils s'entendaient très très bien. Ils avaient des visions très communes. Alors, l'un est musulman, l'autre est juif, mais ils s'entendaient très bien. Il est venu discuter de tas de choses, Tariq Ramadan, dans mon émission. C'est un intellectuel très intéressant, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. Mais le procès qu'on lui fait, à savoir qu'il dirait des choses que personne n'a entendues et que personne n'est capable de citer, qu'il dirait des choses atroces en arabe, dans les banlieues. Allez parler arabe dans les banlieues. Vous allez voir si on vous comprend. Et qui serait la branche intellectuelle d'Al-Qaïda, alors qu'il ne cesse de dire. Enfin, je veux dire, il est passé très souvent à la télé, je ne suis pas le seul à l'avoir invité. Non. Citez-moi un passage de Tariq Ramadan qui soit problématique et qui soit même eu égard à la loi républicaine. Il n'y en a aucun. À chaque fois, ils sont obligés de lui ressortir le moratoire. Mais un moratoire, ça veut dire arrêter. Qu'est-ce que ça aurait fait s'il avait dit continuer à battre les femmes? Alors, je comprendrais qu'on s'insurge, mais il a dit. Moratoire, arrêtez. Donc... Non, enfin moi, c'est... Oui, j'ai bien compris que vous... Mais je veux dire par là, voilà, qu'il y a des gens clivants, et alors c'est pas les mêmes pour tout le monde, voilà, c'est tout. Donc moi, je les invite tous. Vous invitez tous, et vous allez continuer d'inviter Auréa Boutelja Auréa Boutelja, je ne l'ai pas invité depuis assez longtemps, parce qu'il se trouve qu'on n'a pas fait de sujet sur la banlieue depuis assez longtemps, et que donc je n'ai pas invité Auréa, qui n'est pas quelqu'un qui vient pour parler de tout et n'importe quoi. Mais je me souviens d'une fois où elle était venue face à Éric Besson, qui était le ministre de l'Immigration, c'est assez mal passé, et Éric Besson me demandait de la faire taire. Et j'avais passé à Éric Besson un extrait d'un clip de Diams, d'une chanson, Ma France à moi, énorme succès. Et Ma France à moi, de Diams, disait exactement ce que disait Auréa Boutelja. Et donc j'ai dit à Éric Besson, est-ce qu'elle, il faut la faire taire? Il m'a dit, mais elle, c'est pas la même chose, je suis l'artiste. Où elle est différente. Mmh. Vous voyez, c'était très intéressant. Et ce soir ou jamais, effectivement, vous montre que des artistes ou des intellectuels peuvent avoir les mêmes pensées que quand c'est dit en chanson, ça va, mais quand c'est dit sur un plateau télé, ce serait choquant. Bon. Et alors, on vous entend, et en même temps, en termes de légitimité... C'est un mot qui n'existe pas. Ah. Bon, alors, sans parler... Mais si, c'est intéressant d'en parler. Ouais. Qui est légitime? Un économiste est légitime pour parler d'économie, mais un artiste n'est pas légitime pour parler d'économie. C'est ça, en général, ce qu'on entend. C'est un gag. Franchement, c'est un gag. C'est votre côté hardisson, là. Mais non, c'est pas mon côté hardisson, c'est juste mon côté amateur de livres, de littérature, de tableaux. Vous voulez dire que... revenons, on est en 1929, c'est la crise. Vous voyez? Vous pensez que qui dit les choses les plus intéressantes sur la crise? C'est le chroniqueur économique du San Francisco Examiner ou c'est Charlie Chaplin? C'est évidemment Charlie Chaplin. Moi non plus, je ne connais pas l'autre et on s'en fout tous de l'autre. Est-ce que c'est les économistes de l'époque? Mais à part Keynes et Galbraith, qu'est-ce qui reste comme économiste de l'époque? Personne. Tout ça est un gag. On voudrait que l'économie soit réservée aux experts économistes, c'est-à-dire à des économistes et à des journalistes économiques qui pensent en général tous la même chose, parce que quand j'invite des économistes ultralibéraux ou des marxistes ou des anti-euros, tout le monde dit, oh, quand même, est-ce qu'on a le droit d'inviter ces gens-là? Vous voyez, d'ailleurs, personne ne les invitait jusqu'à la crise. Il a fallu la crise et qu'on commence à se demander si on n'allait pas sortir de l'euro pour les inviter. Mais moi, je les invite depuis 6 ans. Et ils faisaient autant scandale, je peux vous dire, quand ils passaient, que Auréa Boutelja, dans un autre genre. Ça ne m'a pas empêché de les inviter. Donc, c'est quoi la légitimité? On serait légitime pour pouvoir parler de quoi en fonction des études qu'on a faites? C'est absurde, en fait, tout ça. On a travaillé un peu le sujet, quand même. Alors, il faut avoir un peu travaillé le sujet. Vous avez raison. Pour moi, il y a des... Robert Bresson, quand il fait un film sur l'argent, il a travaillé le sujet. Robert Bresson est légitime pour venir parler d'économie, d'argent, de dette sur mon plateau, etc. Je veux dire par là que pour moi, les experts, si vous voulez, ça n'existe pas. Il y a des penseurs, il y a des gens qui pensent rien. Il y a des gens, alors je vais en inviter aussi des gens qui pensent rien. Évidemment. Pourquoi? Parce que c'est les plus nombreux. Évidemment, donc à un moment, vous ne pouvez pas inviter que des génies. Et les penseurs n'ont pas tous raison.
Encore nous, il y en a plein qui se trompent. Il n'y a que les bons nageurs qui se noient, hein, en général. Donc vous avez des tas de penseurs qui vont se tromper. Sartre, si on regarde, il s'est trompé tout le temps. Et pourtant, c'était pas rien, Sartre, hein, ça a compté. Heidegger aussi. Qui ? Heidegger. Heidegger dans un autre genre, etc., etc. Donc pour moi, voilà, je réfute totalement l'expertise. Pour moi, ça n'existe pas. Enfin, ça existe, bien sûr, ça existe. Je connais un très bon expert, c'est le Bottin. Voilà, le Bottin, c'est l'expert parfait. Vous cherchez un numéro de téléphone, vous le trouvez. Est-ce que pour autant, l'expert est objectif ? Non. Vous verrez qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans le Bottin. Les gens connus, par exemple, n'y sont pas, comme par hasard, etc., etc. Mmh. Bon, je pourrais vous faire le Bottin il y a très longtemps, et mais c'est un expert. Voilà, mais il ne pense pas. Alors, on a compris. Alors, malgré tout, en termes de légitimité, parce que je tiens, Ouria Boutéja peut être comparée à une autre personnalité, une femme également, qui dirige une association à l'exact opposé des indigènes qui s'appelle Résistance Républicaine. Christine Tazin, que j'ai vous invité avez une fois. Invité, une fois, justement, et alors qu'elle, elle se dit, je crois, islamophobe. Donc c'est l'exact opposé. Oui, oui. D'ailleurs, je l'ai invitée dans l'émission dont je vous parlais tout à l'heure, où il y avait des gens qui seraient susceptibles de voter pour Marine Le Pen au présidentiel, et elle faisait partie des trois. Elle était là. Alors, elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, contrairement à Ouria Boutéja. La question, elle est simple. Pourquoi vous invitez 10 fois Ouria et d'abord, Ouria, vous le remarquerez, elle a été invitée beaucoup, en particulier les 2 premières années de Ce soir ou jamais. Dans votre compte, si vous le regardez bien, il y en a qui ont été beaucoup plus invités dans les 2 premières années. Gisèle Halimi, Ouria Boutéja, Frédéric Mitterrand, etc. Elle venait beaucoup dans les 2 premières années de Ce soir ou jamais. Et Christine Tazin, à ma connaissance, on en a entendu parler pour la première fois avec 2010. En 2010. D'ailleurs, c'est très récent pour moi, donc ça fait que 2 ans. Je l'ai invité une fois. Alors maintenant, est-ce que je mets sur le même plan intellectuel Christine Tazin et Ouria Boutéja ? Non, mais c'est la question. Moi, c'est la question que je me pose. Mais oui, c'est la question que je me pose. C'est-à-dire qu'est-ce que, sur un plateau de télévision, est-ce que la pensée de l'une et de l'autre, tout aussi clivante, vous avez raison, d'ailleurs ça m'était beaucoup reproché d'avoir invité Christine Tazin, je m'en fous complètement, je le dis tout de suite. Mais est-ce que la pensée de l'une et de l'autre est de la même qualité sur un plateau de télévision ? Je vous réponds non. Voilà. Voilà, pour moi c'est ça. Je ne mets absolument pas en ligne de compte ce qu'elles défendent l'une et l'autre. Ça n'a aucune importance pour moi. Et pour prendre un autre exemple ? Mais j'aurais tendance à vous dire que je vais chercher dans une ligne, on va dire islamophobe, je vais chercher des gens qui sont meilleurs. Alors, on pourrait me le reprocher aussi. Pourquoi tu n'invites pas les caricatures ? C'est bien mieux. Hein ? Invitons les caricatures de pro-israéliens, les caricatures de pro-palestiniens, et puis faisons s'affronter les caricatures. J'essaye pas. J'essaye d'avoir les plus intelligents, les plus brillants, les plus clairs. Pour rien, déjà, je ne pensais pas que c'est une caricature. Pas du tout, pour moi. Alors, j'ai peut-être tort, mais je pense que c'est absolument pas une caricature. Si vous l'écoutez bien, c'est extrêmement subtil, ce qu'elle dit. Mais on peut trouver ça détestable. Entendons-nous, comme Guy Millière. Vous avez bien noté que j'avais invité très souvent Guy Millière, qui lui est un anti-palestinien, pro-israélien, ultra-libéral, pro-Bush, pro-Reagan, etc., etc. Jamais invité sur aucun plateau télé. Alors que par ailleurs, il représentait, du temps où Bush était président des États-Unis, il représentait quasiment, alors si en termes de représentativité, ce type que tout le monde prend pour un fou furieux, et on se demande pourquoi vous invitez ce mec-là, c'était juste le mec le plus proche des idées des gens qui étaient à la tête du pays le plus puissant du monde. Et je ne comprends pas que les autres ne l'invitent pas. Bon, moi je l'invitais. Et Guy Millière, c'est pareil. On peut le trouver détestable. J'estime que pour défendre les idées de Bush, en France, il est un des meilleurs. Il est très important de comprendre que cette émission est loin d'être parfaite, idéale, même si elle tend vers... je suis un idéaliste. Mais je suis un idéaliste qui ne se fait pas trop d'illusions. Elle est loin d'être parfaite, elle est loin d'être idéale, pour toutes les raisons qu'on a vues. On ne fait jamais le plateau qu'on rêverait de faire, les gens qu'on voudrait avoir ce soir-là ne sont pas forcément libres, les conditions font que de... Pour toutes sortes de raisons, il y a plein de gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas invités, il y a ceux qui ne veulent pas venir, bon bref. Mais au départ, ce qui tente derrière tout ça, si vous cherchez une idéologie... c'est-à-dire qu'on inviterait de préférence ceux qui pensent ceci au détriment de ceux qui pensent cela, vous n'y arriverez pas.
Parce que vous remarquerez que c'est la seule émission dans laquelle il y a tout le monde, il y a tous les bords. Ils ont tous le droit de parler. Jamais je ne me suis érigé en procureur de qui que ce soit. J'accueille les gens et ils tous vous le diront. Aucun ne pourra vous dire et aucun ne aura l'idée de vous dire que je l'ai accueilli, que je l'ai empêché de parler, qu'il a senti que je penchais de l'autre côté. Jamais personne. Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir de l'inconscient aussi dans ceux qu'on invite et ceux qu'on n'invite pas ? Il y a de l'inconscient. Oui, bien entendu, on est humain. Il y a des gens que je vais trouver plus sympathiques que d'autres. Mais on me l'a tellement reproché d'en trouver de sympathique de tous les bords que de toute façon, je sais que c'est si on regarde bien, ça vous pourrez rien trouver. Vous pourrez d'autant moins trouver que je ne défends aucun point de vue dans cette émission. Je les accepte tous. Et on peut me le reprocher d'ailleurs, puisque ça ne veut rien dire. Et on me le reproche, en disant oui, tout se vaut. Non, tout ne se vaut pas, mais c'est comme ça, c'est une émission de télévision publique. Et que donc vous pourrez trouver à la limite que Tariq Ramadan est venu 10 fois, et que je sais pas moi, quelqu'un qui serait de l'autre bord que Tariq Ramadan sur des sujets comme Israël ou l'islam n'ont été invités qu'une ou deux fois, et vous aurez sans doute raison, mais il se trouve quand même qu'à la fin, jamais Tariq Ramadan n'est venu sans avoir des gens en face de lui. Et que j'ai toujours essayé qu'il ait en face de lui les meilleurs contradicteurs. C'est ça qui m'intéresse. Et que, effectivement, un débat entre Christine Tazin et Tariq Ramadan, je vais vous le dire tout de suite. Vous voulez savoir qui gagne ? C'est évidemment Tariq Ramadan. Mais non, ça n'a pas d'intérêt. Que je fasse un débat entre Tariq Ramadan et Alain Finkielkraut, ça a de l'intérêt. Que je fasse un débat entre... Et il y a eu entre Finkielkraut et Ourya Boutelja, ça a de l'intérêt. Badiou face à Finkielkraut, ça a de l'intérêt. Mais il y a eu Badiou face à Michel Vivorca. Mais vous voyez, vous ne pouvez pas non plus mélanger des poids-plumes avec des poids lourds. Ça ne sert à rien. On est d'accord, il y a bien un avis de votre part qui tranche. Moi, par exemple, il me semble que Ourya Boutelja par rapport à Christine Tazin, c'est le rapport inverse. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Eh bien, j'ai peut-être tort. C'est pas moi qui programme. Voilà. On va y venir après, justement. Mais juste pour terminer sur cette histoire d'islam, bon, c'est pas pour faire une fixation, mais enfin, il se trouve qu'il y a beaucoup de... C'est l'actualité qui veut aussi que ce soit venu assez souvent depuis 5 ans, que les débats liés à l'islam, à la méfiance ou à la peur qu'il peut y avoir dans... une partie de la société française à l'égard des musulmans, ça a été l'occasion de nombreux débats, dans ce soir ou jamais. Et par exemple, vous n'avez jamais invité, a priori, quelqu'un du bloc identitaire, qui est un peu le... Parce que, encore une fois, je vous dis, il y a une exception au Boutelja, ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'en dépit du fait qu'elle n'a participé qu'à un livre collectif, elle a été invitée 10 fois, mais sinon, je n'invite pas les gens qui tiennent des associations. Je me souviens qu'on avait invité Fadela Amara, avant qu'elle soit ministre, parce qu'elle, à cause de ni pute ni soumise, mais c'était lié à un débat particulier. Alors, est-ce que ça veut dire que je ne pourrais pas inviter les gens du bloc identitaire ? Si, je pourrais. Ahmed Elkaï l'a fait sur François. Oui, non, mais il n'y a pas de raison. La seule raison, effectivement, j'invite de préférence des gens qui écrivent des livres, qui font des films, etc., etc. Mais ça ne m'interdit pas, je n'invite pas un mec de la CGT pour inviter un mec de la CGT. Alors, je pourrais inviter un mec du bloc identitaire. Oui, je pourrais. Ouais. Bon, enfin, vous savez, il y en a qui écrivent des livres et qui pensent la même chose. Mais ils écrivent des livres aussi. Ils écrivent aussi. Ah bon, alors j'ai écrit avec André Bercoff et Christine Tazin, justement, et Pierre Cassin, sur l'apéro sous Saint-Pierre. Ah oui, j'ai invité Christine Tazin, vous voyez, si vous voulez. C'est bon. Dans ce livre. Enfin, c'était à la suite de ça. Alors, parmi. Ça, je l'ai dit, voilà, Tariq Ramadan. Ensuite, alors, à contrario, autre exemple, un invité, donc Tariq Ramadan est suisse, rappelons-le, et un autre invité suisse. Slobodan Despot. Non, d'Oscar Freisinger. Alors, Slobodan Despot est l'éditeur de Freisinger. Oui, et vous l'avez invité 8 fois. Slobodan Despot. Oui. Par contre, Oscar Freisinger... Je l'ai invité, il se trouve qu'il n'a pas pu venir. Voilà. D'accord. Et je l'ai invité au moment de l'histoire des minarets. L'ai invité. Il y avait un débat sur les minarets. Maintenant, n'oubliez pas une chose aussi, j'invite les gens... Alors, encore faut-il qu'ils puissent venir. Voilà. Et j'invite les gens aussi en fonction des débats que nous avons. Il se trouve parfois... vous avez des grands spécialistes de Spinoza que je n'ai pas invités, alors qu'ils sont des grands spécialistes de Spinoza, mais je n'ai jamais parlé de Spinoza. Donc, voilà. Maintenant, ce n'est pas la meilleure des excuses, puisqu'on a essayé de couvrir à peu près tous les sujets. Mais pour comprendre par rapport à Ramadan, qui est suisse aussi, et en Suisse, il s'oppose énormément avec à la Freisinger. Télévision, avec Freisinger. Oui. Mais aussi, mais il se trouve, c'est aussi quelque chose, j'aurais pas forcément la tentation, j'avais invité Freisinger, pas du tout avec Ramadan, parce que je ne vais pas refaire ce qu'a fait la télévision suisse.
Mais en général, c'est plutôt l'inverse. On dit que c'est beaucoup mieux la télévision en France qu'en Suisse. En tout cas, les Suisses, c'est ce qu'ils me disent. Ils regardent énormément Ce soir ou jamais, et je reçois des lettres ou des mails, etc., pour me dire ah, si seulement on avait ça en Suisse. Non. Donc, vous êtes le premier à me dire que la Suisse, c'est mieux que Ce soir ou jamais. Non, je ne suis pas de ça. J'ai dit qu'il était très souvent invité. Mmh. Moi, si on fait le comptage, moi, je suis sur le comptage, il y a 0 Freisinger, 10 Ramadan, 1 Tazin. Mais dans le cas, alors, je vous dis, il se trouve que. Oui. Mais encore une fois, je vous dis, tout ne vaut pas tout, et il y a des gens qui sont plus larges que d'autres, et dans le cas de Freisinger, c'est une personnalité en Suisse, pas en France, je l'ai invité en l'occurrence parce que sortait le livre qu'il a édité, qui est un Minaret. Voilà, Oscar et les Minaret, et il n'a pas pu venir. Alors, pour terminer sur cette question, parce que c'est souvent l'islam mais aussi Israël, conflit israélo-palestinien. Alors j'ai fait un décompte, vous allez me le reprocher, mais j'ai regardé la liste des plus invités et il y a une grande majorité d'anti-sionistes. Oui, c'est ce que vous m'avez dit. Mais à ce moment-là, vous aviez oublié que j'avais invité Alain Finkielkraut. Non, je n'ai pas oublié justement. Depuis, il est revenu, mais à l'époque, il n'était pas dans votre... Oui, il a été invité 10 fois, Guy Millière 8 fois, Elisabeth Lévy 7 fois, Pascal Bruckner 6 fois, Malika Sorel 4 fois, Gilles Mirail 4 fois, Gilles Boudéam-Golnadel 3 fois, donc il y a des pro-israéliens, indéniablement. Oui, mais par exemple, vous voyez, Pascal Bruckner, vous citez, je ne crois pas qu'il ait jamais venu parler de Israël dans mon émission. Ouais. Tous les gens que vous citez sont venus pour parler de tas d'autres choses. Ouais. Mais à chaque fois qu'un certain nombre d'entre eux sont venus parler, vous avez oublié Stéphane Hessel. Là, je ne les ai pas cités parce qu'il y en a tellement de... Ouais, voilà. Et il se trouve que Stéphane Hessel a quasiment débuté sa carrière à la télévision chez moi. Hein. Donc, longtemps avant, d'ailleurs, d'écrire « Indignez-vous ». Et Stéphane Hessel est venu très souvent dans « Ce soir ou jamais ». La plupart des fois, ce n'était pas pour parler d'Israël. Mais en tout cas, à chaque fois que ces anti-israéliens... J'en ai pas cité un seul pour l'instant. Ah oui, non, pardon. J'ai cité que des pro-israéliens. Mais à chaque fois que les anti-israéliens que vous allez citer sont venus dans mon émission, c'était pas pour parler d'Israël. C'était pas toujours pour parler d'Israël, mais à chaque fois qu'ils sont venus pour parler d'Israël, il y avait autant, voire plus, de pro-israéliens en face d'eux. Ils ne sont jamais venus parler entre eux pour dire du mal d'Israël sur mon plateau, comme si Ce soir ou jamais, c'était une tribune dans laquelle on peut déverser un flot de critiques sans avoir de contradicteurs. Il y avait toujours des contradicteurs. C'est sûr, mais ce qui est intéressant, c'est aussi la grille de lecture, parce que un anti-israélien aura une autre grille de lecture qu'un pro-israélien, sur un tas de sujets. Oui, pas non plus. Oui, peut-être. Sur le féminisme? Pas forcément, mais sur les États-Unis, sur l'économie, sur... Oui, peut-être. C'est une grille qui est la vôtre, qui n'est pas forcément la mienne, mais... Alors, je vais juste citer ces personnalités, puis vous allez pouvoir réagir. Donc, Emmanuel Todd a été invité 20 fois. Là, je cite plutôt les anti-israéliens. 20, Emmanuel Todd. Mais c'est le deuxième après. Je peux vous dire que il est plutôt venu parler d'économie. Hein. Je ne me souviens pas qu'il soit venu parler d'Israël. Oui, il n'est jamais venu pour parler d'Israël. Mais bon, il fait partie de ces gens qui sont anti-sionistes. Alors, Gisèle Halimi... Attendez, anti-sioniste, ça dépend ce que vous appelez anti-sioniste. Il critique l'égard du gouvernement de Netanyahou et contre l'existence de l'État d'Israël, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est une conception large. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui étaient hostiles à l'existence, à la création de l'État d'Israël, qui aujourd'hui défendent Israël. Ouais. Il y a des gens qui sont tout à fait contents qu'il y ait un État d'Israël, mais qui sont contre la politique de Netanyahou. Il y en a d'autres qui sont contre les colonisations. Enfin, il y a différentes façons d'être antisioniste. J'aime pas tellement, moi, c'est pas mon genre. Une case, oui, c'est pas du tout mon genre, ni de penser le monde comme vous êtes en train de le faire. Il y a les antisionistes. Non, il n'y a pas les antisionistes. Parce que, vous savez, Alain Finkielkraut, qui, je crois, était longtemps adhérent, je ne sais pas s'il est encore à la paix maintenant, ou au truc là, européen, des juifs européens qui disent aux Israéliens quand même... Il a signé J-Call. Voilà, le J-Call. Ben, il est peut-être considéré comme antisioniste par des pro-israéliens. Par des fanatiques d'un Eretz Israël qui est recouvert. Alors, c'est quoi un antisioniste, voyez? Si Finkielkraut même peut être considéré comme antisioniste par certains rabbins extrémistes de l'été. On en revient au relativisme, justement, tout se vaut. Donc, il y a quand même des catégories. Ah non, moi, tout ne se vaut pas, je suis en train de vous le dire. Non, tout ne se vaut pas. C'est-à-dire que toutes les opinions ont le droit de citer, sauf celles qui sont interdites par la loi. Mais il n'y a aucune raison que moi je m'érige en censeur d'un certain type d'opinions qui sont là.
Ça, c'est une chose, ça ne veut pas dire que tout se vaut et que toutes les opinions se valent et que les antisionistes, c'est tous, même que... Voilà, il y a des nuances entre... Il y a de sacrées nuances. Ils sont très critiques à l'État, voilà. À la guerre de l'État d'Israël, oui. Aujourd'hui, c'est ça qui... Absolument. De la politique... De la politique de l'État d'Israël, pas de l'État d'Israël. Oui, vous voyez, j'ai dit de l'État. Oui, oui, oui. Autant pour moi. Ah oui, c'est vrai, oui. Que c'est un sujet... Voilà, c'est pour ça, moi je fais très attention sur le plateau de ce soir ou jamais, parce que je sais que c'est un... Dès qu'on parle du conflit israélo-palestinien, c'est terrible. Et il y a une façon de monter les Juifs contre les Arabes en France que je déteste. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'on a parlé du conflit israélo-palestinien sur un plateau, il y avait des Juifs des deux côtés, c'est-à-dire pro-politique de l'État d'Israël et anti-politique de l'État d'Israël. Des deux côtés toujours, et souvent, j'essaye qu'il y ait des Arabes des deux côtés aussi. Mmh. Et pour justement montrer, rappeler en permanence que d'abord, cette guerre n'est pas chez nous, elle est ailleurs, on n'est pas obligé de l'importer, et que deuxièmement, c'est jamais aussi simple qu'on voudrait le croire. Ça n'est pas une guerre religieuse, ça n'est pas une guerre ethnique, etc., etc., c'est pas une guerre raciale. Donc arrêtons de faire du chantage. Les Arabes doivent penser comme les Palestiniens, et les Juifs doivent penser comme les Israéliens. Mmh. Pas forcément. Mais moi, ma question, c'était plus, quand vous voyez cette liste des 30 les plus invités, il y a quand même une majorité de gens qui sont plutôt critiques à l'égard de la politique de l'État d'Israël. Bah, écoutez, continuez ma liste. Oui, ça, c'est indéniable. Français, Jacques Vergès a été 11 fois, Stéphane Hessel, vous l'avez cité, Clémentine Autain, 9 fois, Marc Clémentine Autain n'est jamais venu discuter de l'État d'Israël. Dans certes, mais... Oui, bah alors oui, qu'est-ce alors, que vous voulez que je vous dise alors, ça peut être justement votre réponse. Est-ce que c'est parce qu'il y a une majorité de gens critiques à l'égard d'Israël aussi en France, j'en sais rien. Selon vous. Je n'en sais rien. C'est possible. C'est ce que me disent les Juifs en général. Ils me disent que les médias sont extrêmement partiaux. Ils trouvent d'ailleurs souvent que, au moins chez moi, tout ça est plus clair parce qu'il y a vraiment les deux côtés et que c'est pas qu'ils peuvent montrer en quoi ils ne sont pas d'accord. Mais ils doivent, pour un certain nombre d'entre eux, aussi penser que je suis comme tout le monde et qu'il y a beaucoup d'anti-israéliens sur mon plateau. Moi, tout ce qui m'importe, c'est qu'au moment où on parle de ce sujet-là, on va dire de la politique de l'État d'Israël en général, que sur le plateau, au moment où on en parle, il y en ait autant pour le défendre que pour le critiquer, et que ceux qui le critiquent et que ceux qui le défendent ne soient pas de bloc, qu'il y ait des nuances à l'intérieur. Voilà, c'est ce que je vous disais en disant je veux qu'il y ait des juifs des deux côtés. Ronny Broman, juif hostile à l'égard de la politique de l'État d'Israël. Gisèle Halimi, juif, etc., etc. Stéphane Hessel, etc., etc. Et j'essaye qu'il y ait aussi des Arabes des deux côtés. Abdennour Bidar, qui est venu souvent dans Ce soir ou jamais, et pas du tout sur la même ligne qu'à Tariq Ramadan. Abdelwahab Medeb, qui est venu souvent dans mon plateau, n'est pas du tout sur la même ligne. Et je pourrais vous faire une liste comme ça. Il y en a beaucoup. Parce que le but, c'est de comprendre. Hein, comprenez-vous. Ah, mais vous avez raison. Hein, et là, de ce côté-là, pour moi, tout ça est très clair. Il y a juste le fait, ce que vous me faites remarquer, que parmi les plus invités, il y en a un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre, qui sont, que vous cataloguez dans les antisionistes. Une grille de lecture plutôt hostile à l'égard de l'État d'Israël. Oui, ouais, je vous dis, encore une fois, pour moi, Emmanuel Todd n'est pas hostile à l'État d'Israël. Il est critique, mais encore une fois, je ne sais même pas dans quelle mesure, puisque je vous dis, je ne l'ai jamais invité sur ce sujet, donc je n'en sais rien, ce qu'il peut dire sur l'État d'Israël. Il n'a pas fait de livre là-dessus. Mais sur le sujet de l'islam, très islamophile. Enfin, oui, absolument. Là, vous l'avez invité sur ce sujet. Donc, vous êtes, oui, bien sûr. Sur l'islam, non, je l'ai invité uniquement, c'est un démographe, il a écrit un livre très important, qui est d'ailleurs le seul livre qui a prophétiser les révolutions arabes. Enfin, il en a fait deux sur ce sujet. Le premier, c'était son livre sur l'Empire américain. Et le deuxième, c'est le Rendez-vous des civilisations, où, en tant que démographe, il explique qu'en fait, l'islam est parfaitement soluble dans la société française. La preuve, les mariages mixtes, la fin des mariages endogames, etc., etc. Pour moi, c'est évidemment beaucoup plus intéressant que tout ce qu'on peut dire sur l'islam aujourd'hui, à savoir que les femmes seraient toutes voilées, que quand vous voyez la proportion de mariages mixtes, évidemment, vous avez une autre lecture de l'islam. Il se trouve qu'il est très intéressant pour moi sur l'islam. Mais pas parce qu'il serait éventuellement critique à l'égard de l'État d'Israël, ce dont je me fous totalement. Oui. C'est parce que sur l'islam, il a un point de vue très original et très intéressant, qui n'est pas de l'ordre de l'irrationnel et de la propagande. Vous voyez, c'est parce qu'on a tendance, sur l'islam, à répéter beaucoup de peurs qui nous ont été transmises par d'autres. Voilà. Et là, on a le cas d'un chercheur qui vient avec des faits et des chiffres.
Encore une fois, comme je vous ai dit ce que je pensais de l'expertise, ça ne, c'est pas pour autant qu'il ne doit y avoir sur ce sujet que des chercheurs avec des faits et des chiffres. Hein, mais ça explique que le chercheur avec des faits et des chiffres soit privilégié. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord quand même sur le constat que vous invitez beaucoup moins d'islamo-critiques que d'islamophiles, par exemple ? Non, parce que... Enfin, non, non. Sur ce constat-là, non. Uniquement sur le constat que parmi ceux qui sont le plus invités, il y a beaucoup de gens critiques à l'égard de l'État d'Israël, de la politique de l'État d'Israël, mais vous reconnaissez vous-même que la plupart d'entre eux sont venus pour ne pas parler de l'État d'Israël. Donc c'est vous qui en faites une grille. Voilà. Alors dans le cas des islamo-critiques, il y en a énormément qui sont invités sur mon plateau. Ils font peut-être pas partie de la liste de ceux qui sont le plus invités, mais il y en a énormément qui sont venus. Si je vous faisais la liste, elle est beaucoup plus longue. Les islamo-critiques sont beaucoup plus nombreux sur le plateau de Ce Soir ou Jamais. Ils sont moins invités, mais ils sont... Alors voilà, mais il se trouve que Richard Millet, qui est, on ne peut pas faire plus islamo-critique, il ne fait pas partie des 30 qui ont été les plus invités, mais enfin il s'est fait beaucoup entendre sur ce sujet. Comment il s'appelle, Paul-Marie Couteau, très islamo-critique, il a dit des choses sur mon plateau qui étaient particulièrement difficiles. Alexandre Adler, enfin, la liste est infinie. Maintenant, ils sont venus 3-4 fois, ils ne sont pas venus. Il faut croire que c'est peut-être la raison. Il se trouve que les islamo-critiques étant très très nombreux, vous les trouverez peut-être moins souvent, moins récurrents dans Ce Soir ou Jamais. Alors j'aurais pu citer aussi Marc-Edouard Nab, ou je l'ai cité, je ne sais plus, qui a été invité 9 fois. Alors il est, vous n'en cachez pas, il est votre ami, il est même, je crois, le parrain de votre fils, c'est ça ? Bon, je ne dis pas de bêtises. Et puis surtout, c'est l'écrivain pour qui... Alors, je l'ai dit suffisamment avant. Maintenant, je ne le dis plus, les écrivains que j'aime et que je n'aime pas, parce que je trouve ça déplaisant pour tous les autres. Donc, quand on me demande c'est quoi votre livre préféré de l'année, je ne réponds pas. Mais il se trouve que Marc-Edouard, je l'ai dit avant de faire Ce Soir ou Jamais, tout le monde le sait, il est pour moi parmi mes écrivains préférés, et en particulier parmi mes écrivains vivants préférés. C'est donc, c'est aussi ça. C'est vous pas seulement... Vous l'avez invité 9 fois. Il n'y a pas un conflit d'intérêt sur... Non, c'est un de mes écrivains pour lequel j'ai le plus d'admiration. Je ne vois pas pourquoi je ne l'inviterai pas. Et que 9 fois. Lui, je veux vous dire que s'il sera assis là, il m'engueulerait parce que je l'ai invité beaucoup moins souvent que Michel Mafezoli. Donc, tout dépend du point de vue où on se place. Marc-Edouard Nab, je pense que c'est un très grand écrivain. Je pense qu'on parlera encore de Marc-Edouard Nab dans 100 ans. Et on s'étonnera dans 100 ans qu'il ne soit venu que 9 fois dans Ce Soir ou Jamais. Vous voyez, et qu'il soit venu si peu dans toutes les autres émissions. Cela dit, il ne faut pas exagérer non plus. Il quand même, c'est souvent invité. François-Olivier Gisbert l'invite très souvent. Guillaume Durand l'invite très souvent. Tout le monde. Enfin, pas tout le monde. On ne peut pas dire qu'il soit censuré. Moi, en l'occurrence, dans le cas de Marc-Edouard, il est venu 2-3 fois sur les 9 sur des sujets très clivants, qui sont des sujets qu'il aime bien. Il est venu sur l'Iran, il est venu sur le rallye Paris-Dakar, je me souviens, pour dire les Blancs hors d'Afrique. Sur Baudelaire. Mais sinon, il vient sur des sujets culturels. Il est venu sur, il est venu nous faire écouter la voix de Tolstoï. Il est venu sur Rimbaud, parce que c'est lui qui est venu lire l'inédit de Rimbaud qu'on venait de trouver, ce qui était un événement mondial. Personne n'en a parlé. À part Ce Soir ou Jamais. Et pourquoi j'en ai parlé ? Parce que Marc-Edouard Nab m'a téléphoné pour me dire « Attends, il se passe un truc dingue, là on vient de trouver un inédit de Rimbaud, personne n'en parle. » Il est venu le lire, il est venu sur des sujets, il est venu sur les 20 ans de la mort de Mesrine, je me souviens de Jacques Mesrine. Voilà, il est venu sur des sujets très très divers. Il est venu une fois sur l'Iran, une fois sur le rallye Paris-Dakar, et il est venu une fois sur pour la mort de Ben Laden. Mais pour vous, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, selon vous. Non, mais qu'est-ce que c'est ces conflits d'intérêts ? Parce que c'est pas un autre fils. Mais je vous dis, ma femme n'est pas invitée. Donc, mais donc, c'est pas pour ça, c'est pas parce que j'estime que je n'ai pas le droit d'inviter ma femme. Personne ne me reprocherait d'avoir invité ma femme, c'est que je ne saurais pas comment lui parler, tout simplement. C'est pas du tout ça. Mais dans tous les gens que j'invite, l'absurdité de ce qu'on est en train de faire sur le conflit d'intérêts. Parce qu'il y en a plein qui sont peut-être mes amis, vous ne le savez pas. Exactement. Mais comme c'est pas les parrains de mon fils, il y en a peut-être qui me donnent de l'argent pour être invité à Ce Soir ou Jamais. Vous devriez vous intéresser à ça, ce serait plus intéressant que de savoir. Lui, en plus, je l'ai dit que c'était le parrain de mon fils, pour que ce soit clair, vous voyez. Mais il se trouve que pour moi, c'était le meilleur écrivain français avant d'être le parrain de mon fils, parce que je l'ai lu avant de le rencontrer. Donc non, tout ça est absurde. Non, il n'y a pas de conflit d'intérêts, bien entendu. Non, vous devriez vous poser la question à ce moment-là, pourquoi. Je sais pas, dans certaines émissions, c'est toujours les mêmes invités récurrents qui sont pas officiellement chroniqueurs. Non, mais
dans d'autres émissions où c'est beaucoup plus flagrant, où c'est vraiment où le débat est confisqué au profit de 5 ou 6 personnes qui détiennent le débat. C'est-à-dire, vous avez des émissions où c'est toujours les mêmes qui viennent de débattre de tous les sujets. Là, vous vous posez pas. Ils siègent tous au même dîner du siècle, au même déjeuner du siècle. Ils ont fait les mêmes études. Ils se voient peut-être l'été en vacances. Et là, personne ne se pose la question. Donc, ça, c'est absurde. Alors, donc, on a étudié d'autres émissions comme C'est dans l'air. Je pense que celle-là. Je regarde pas la télévision, mais comme je vous lis, je vois bien qu'il y a des gens qui sont. Leurs 3 dernières années d'invités, donc c'est une quotidienne comme vous l'étiez. Alors, on a des personnes là, effectivement, qui sont invitées entre 20 et plus de 40 fois. Vous imaginez ? Par an. Moi c'est 20 fois en 6 ans. Vous, c'est le plus invité, je rappelle que c'est 21 fois en 6 ans. Ouais. Et Marc-Edouard Nab, en l'occurrence, 9 fois en 6 ans. Voilà. Et Christophe Barbier, par exemple, qui est le témoin de mariage d'Yves Calvi. Ah. En plus. Donc là, vous avez des conflits d'intérêts. Mais pour moi, c'est pas parce qu'il a été son témoin de mariage. 100 fois en 3 fois. 100 fois, oui. Mais il a mis peut-être témoin de mariage parce que c'était justement la personne, il l'a peut-être rencontré sur son plateau. Vous voyez, c'est absurde. Il est peut-être devenu témoin de mariage et ami parce qu'il était d'abord invité dans l'émission. Donc, on l'a pas invité. C'est un conflit d'intérêts. Non, c'est pas ça un conflit d'intérêts. D'abord, moi, je sais pas ce qu'il en est d'Yves Calvi. Je ne fais pas une émission d'information. Si je faisais le journal de 20h, je n'aurais pas invité 9 fois Marc-Edouard Nab. Mais il se trouve que je fais une émission culturelle, et que c'est quand même un écrivain en vue, qui écrit énormément en plus, qui publie beaucoup. Jean Dormesson, je l'ai invité plus que Marc-Edouard Nab, et qui publie autant, mais il publie beaucoup plus que, encore plus que Marc-Edouard. Et j'ai pas de. Et alors, vous pourriez penser que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec Jean Dormesson. Mais si on regarde bien, j'ai été très ami avec la fille de François Nourricier, qui connaissait très bien Jean Dormesson. Allez savoir si c'est pas pour ça que j'ai invité si souvent Jean Dormesson. C'est peut-être parce que je connais. Peut-être que je passe mes vacances avec Jean Dormesson et vous ne le savez pas. Mais en revanche, vous allez m'incriminer parce que celui-là, je l'ai dit. Mais il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit d'intérêt à ce niveau-là et pour ça. Les conflits d'intérêt, c'est tellement nombreux. C'est l'argent, c'est le fait de penser la même chose. S'il devait y avoir un conflit. Moi, pour moi, la connivence, c'est le fait que les gens invitent les gens qui pensent la même chose qu'eux. Mais moi, allez savoir ce que je pense, puisque j'invite tout le monde. Personne ne pourra trouver ce que je pense. Moi-même, d'ailleurs, je ne sais plus ce que je pense. Et ça n'a aucune importance. Ça pose quand même tout ça, parce que finalement, toutes ces questions, il faut en arriver à une conclusion. Donc ça pose quand même, pour moi, une question, c'est que, d'autant plus que, je répète, hein, votre émission est une des plus ouvertes du PAF, et notamment de la télévision publique, est-ce qu'il ne faudrait pas plus de transparence et de contrôle dans le processus d'invitation ? Certainement pas, parce qu'on en arriverait à des absurdités. C'est-à-dire que... voilà, votre livre « Après l'accident atomique », voilà... Et je vais vous trouverai, je ne sais pas moi, le livre d'Einstein, vous voyez, sur l'énergie atomique. Je vous mets les deux et une invitation. Il n'y a pas de raison, si on fait des comptages, et à ce moment-là, comment vous allez compter la qualité, l'importance ? Vous ne pouvez pas. Donc, vous allez me dire, Jean Robin, non, c'est pas Jean Robin, pardon. Ça, je suis l'éditeur. Vous êtes l'éditeur, Vladimir, qui a écrit un livre sur l'énergie atomique et... Albert Einstein, qui a écrit un livre sur l'énergie atomique, il n'y a pas de raison, il y a une invitation chacun. C'est absurde. Alors, je vais peut-être développer ma question, parce que je me suis mal exprimé. L'idée du contrôle citoyen, c'est d'avoir un contre-pouvoir, c'est-à-dire des citoyens ou des critères, par exemple, de qualité de l'information. Ce n'est pas forcément égalitarisme, mais c'est de dire, un tel a été invité 100 fois, on en parlait, l'autre, jamais. Bon, apparemment, ça ne marche pas. Je pense que si vous instituiez ça, je ne serais pas le premier... à être critiqué. Je pense que je serais le dernier de la liste que vous viendriez à qui vous viendriez frapper à la porte en lui disant je voudrais peut-être inviter un tel et un tel, et puis de temps en temps, quand on parle du Tibet et de la Chine, inviter un Tibet, un Chinois par exemple. Moi je le fais. Chaque fois qu'on a parlé du Tibet et de la Chine, il y avait un Tibétain et un Chinois sur mon plateau. Et quand on parle de l'Afrique, ce serait bien qu'il y ait des Africains. Moi je le fais. Quand j'ai fait des émissions entières sur l'Afrique, il n'y avait que des Africains. Et des Africains noirs en plus, vous voyez. Donc je pense que franchement, je serais le dernier à qui on viendrait chercher des poux. Mais si vous alliez sur le principe, je pense qu'il est de toute façon critiquable. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'est pas des machines.
C'est-à-dire qu'on a beau faire de la télévision, encore une fois, je ne fais pas le journal de 20 heures. Je ne suis pas censé, je ne suis pas astreint à une objectivité garantie par le CSA. Moi, le CSA ne vient absolument pas voir, sauf en période électorale, qui j'ai invité, etc. Et ils le font justement d'une manière un peu machinale et bébête. C'est-à-dire que quand vous regardez les critères du CSA pour savoir les temps de parole qui sont attribués à tel ou tel candidat, vous vous rendez compte que ça ne marche pas systématiquement. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'acteur qui a appelé à voter François Hollande et qui vient parler de son film au journal de 20 heures et qui ne parle pas de François Hollande? On le décompte ou on ne le décompte pas? Vous voyez, tout ça, c'est un peu bizarre. C'est un peu... Et on en revient à ce que vous me disiez. Ah oui, mais il y a beaucoup d'anti-israéliens. Oui, mais ils ne viennent pas parler d'Israël. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les décompte en tant qu'ils israéliens? C'est complètement ridicule. Donc, on ne peut pas compter comme ça. On ne peut pas se contenter de faire un job d'ordinateur qui, bêtement, vient prendre un certain nombre de critères qui sont les vôtres, en plus, puisque, comme vous le disiez, votre définition de l'antisionisme n'est pas la mienne, etc., etc. Et puis après, il y a quelque chose qui n'est pas mesurable, qui n'est pas, en tout cas, et que j'accepte tout à fait qu'on critique, mais il y a des gens que vous trouvez plus intéressants que d'autres. Et vous pouvez vous tromper. Et peut-être que Yves Calvi, il trouve que Christophe Barbier, c'est le mec le plus intéressant du XXIe siècle. Et c'est pour ça qu'il l'invite 100 fois. C'est pas parce qu'il est devenu, il a été son témoin de mariage. C'est juste qu'il est devenu son témoin de mariage parce qu'il trouvait que c'était le mec le plus intéressant des décennies. Enfin, vous voyez. Et moi, il se trouve que Marc-Edouard Hanam, je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était le plus grand écrivain de mon époque. Et seulement après, j'ai voulu m'en faire un ami, j'y suis parvenu, il est devenu le parrain de mon fils. Mais c'est pas l'inverse, vous voyez. Et si on l'écoutait, il viendrait beaucoup plus souvent, à ce soir ou jamais, qu'il n'est venu. 9 fois, il trouve que c'est rien. Par rapport à d'autres qui les sont... auteurs. Non, non, il y en a d'autres qui trouvent qu'ils sont suffisamment invités comme ça. Mais Marc-Edouard, pas du tout, lui. Si, Alors, en revanche, je peux vous dire qu'il y a des fois où je l'aurais invité, il n'a pas voulu venir. Vous voyez, parce que les revues de presse, par exemple, il ne veut pas venir. Voilà. J'aurais pu l'inviter dans les revues de presse, mais il ne veut pas. Donc, Le principe de la question, c'est est-ce qu'un organisme plus ou moins officiel de citoyens peut exercer un contre-pouvoir? Non, parce qu'à ce moment-là, pourquoi s'arrêter à une émission de télévision culturelle comme la nôtre? Attention, je vous dis, là, sur le journal télévisé, oui. Mais sur l'émission culturelle comme la mienne, il n'en est pas question. Parce qu'à ce moment-là, pourquoi vous ne feriez pas sur le cinéma français? Pourquoi vous n'allez pas dire aux réalisateurs et aux producteurs, votre commission de citoyens? Elle vient, elle dit, Gérard Depardieu, il a fait 6 films cette année. Et machin, là, qui habite à côté de chez moi, il a fait aucun film. Ben, il faut que tu prennes machin. Ben, ça suffit, Gérard Depardieu, 6 films. Mais c'est pas financé sur l'argent public. Ah, vous rigolez ou quoi? Une partie, c'est assez. Non, mais par la redevance. Le cinéma tient par le... Le système de subvention du cinéma tient bien fait, c'est pas des subventions d'État. C'est que le cinéma qui fait circuler l'argent. En gros, c'est les films américains qui... Mais il y a aussi tout l'argent de la télé. L'argent de la télé, c'est le même que le mien. Et ben, avec cet argent, on fait des films et on donne 6 fois le premier rôle à Gérard Depardieu. Et vous allez venir en disant « Oh bah, c'est pas bien ». Et puis vous allez venir aussi dans les théâtres publics pour dire « Attendez, monsieur... J'ai compté, là, vous avez joué 18 fois Molière, 22 fois Valetti, 10 fois Bernard Marie Coltès, et personne n'a joué Jean Dupont. Ben, il va falloir jouer Jean Dupont, les gars. Je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est absurde. Si on prend C'est dans l'air, Barbier invite 400. C'est dans l'air, vous pouvez faire tous les reproches que vous voulez, c'est une émission d'information. Ouais. C'est une émission de débat avec des journalistes et des hommes politiques. Moi, je fais une émission culturelle. Il y a Romain Bouteille, vous le classez où, Romain Bouteille? Il est où? Romain Bouteille. Mais si vous l'invitez 100 fois, par exemple, ça sera un problème. Bon, vous ne l'invitez pas 100 fois, mais... Oui, ce sera un problème, mais c'est marrant parce que si je l'invitais 100 fois, vous imaginez bien qu'il me demanderait de le payer. Ça deviendrait un chroniqueur. Il serait payé. Et Barbier n'est pas payé, à ma connaissance. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais que Romain Bouteille, enfin tous les miens, si je les invitais 100 fois, ils me diraient « Attends, je vais être payé ». Donc ça deviendrait des chroniqueurs. Il y a des émissions comme ça. Pourquoi la commission ne viendrait pas pour dire « Mais attendez, tous ces chroniqueurs qui sont toujours les mêmes, qu'on paye avec l'argent de nos impôts et qui viennent donner leur avis sur tout, la dette, la mort, la crise, et les livres et les films des autres ben, ?» Cela, alors il faudrait faire la police là-dedans. Ben non, c'est pas possible. Alors, cela dit, les chroniqueurs, vous savez ce que j'en pense. Enfin, il y en a des très bons, c'est pas une question, j'ai commencé comme chroniqueur, mais j'en veux pas dans Ce soir ou jamais, justement, parce que je veux pas de gens qui viennent donner leur avis, surtout parce que je les ai payés. Et donc, la question ne se pose pas en ce qui me concerne. Mais avec votre commission,
il faudrait faire la même chose. Donc croyez-moi, le puritanisme, la comptabilisation, elle a de l'intérêt. J'étais très intéressé parce que tout ce que vous avez... Vous êtes intéressé par la liste aussi. Par la liste, par tout ça, et ça m'intéresse beaucoup. Mais si ça devait faire la loi, ce serait l'enfer. Mmh. Bon. Alors, ah oui, une question sur la parole de votre public. Vous invitez du public, mais vous ne leur donnez, à ma connaissance, jamais eu la parole. Et non seulement, je vais même plus loin, ils n'applaudissent pas une cible. Ils n'applaudissent pas, exact. Est-ce que c'est pas quand même prendre le public pour des potiges pour... J'estime que c'est le contraire. En général, dans les émissions de télé, le public est payé, en fait, les agences de casting, pour ça qu'il y a souvent des jolies filles dans le public, des jeunes, vous voyez, et ils applaudissent et ils sifflent quand on leur dit. C'est-à-dire que vous avez des invités qui vont se faire siffler ou applaudir en fonction du fait que le chauffeur de salle va les faire siffler ou les applaudir. Alors, ce n'est pas des potiches, mais c'est pire pour moi. Moi, les miens, ils sont invités à assister à une émission de télévision, mais pas à donner leur avis. C'est pas un combat de gladiateurs. Il n'y a pas de prime à celui qui va vous brosser dans le sens du poil, vous dire c'est la mort, c'est moche. C'est pas bien la mort. La guerre, c'est pas bien. Vous voyez, lui, il est applaudi. Dans toutes les émissions, le mec qui dit ça, il est applaudi. Dans la mienne, non. Il n'y a pas de prime à dire la guerre, c'est moche. Vous voyez, etc., etc. En revanche, il est tout à fait libre d'applaudir et de siffler quand il y a de la musique, quand quelqu'un récite un texte, quand quelqu'un produit un spectacle. Et là, il n'y a pas de problème, on applaudit. Mais on n'applaudit pas et on ne siffle pas les gens qui parlent. Et est-ce que votre amour de la liberté d'expression... J'ajoute encore une chose. On les paye pas, mais on les traite très bien. On leur fera boire. Il y a des gâteaux qui circulent, etc., etc. Ne les faites pas fuir. Je peux vous dire qu'on refuse du monde. Enfin, il y a du monde tous les jours. Et donc, est-ce que votre amour de la liberté d'expression vous ferait aller jusqu'à inviter des gens qui sont prêts à remettre, enfin, à tenir le discours que je suis en train de tenir là, c'est-à-dire à remettre en cause les médias, votre poste? C'est arrivé très très souvent. Je passe même des extraits d'émissions de télé, je passe des extraits du journal télévisé qui sont critiqués par mes invités, qui disent ça n'est pas vrai, ça n'est pas comme ça, etc. Alors même que ces émissions proviennent du journal qui parfois m'a précédé, à savoir le Soir 3. Donc oui, les médias sont extrêmement critiqués en général, y compris dans Ce Soir ou Jamais. Mais là où c'est très gênant, c'est qu'ils se mettent à critiquer les médias et puis ils me disent « Oui, mais vous, c'est différent, vous vous laissez parler les gens, vous avez le droit, chez vous, on a le droit d'émettre des opinions hors de la pensée unique, etc. » Et c'est même assez gênant. En même temps, les gens qui regardent l'émission le savent, puisque c'est pour ça qu'ils la regardent. Donc tout ça n'est pas... voilà, mais j'ai l'air de... Quand ça arrive sur le tapis, on pourrait croire que c'est moi qui l'ai suscité pour me faire couvrir de compliments. Ce n'est pas le cas. C'était ma question suivante. Donc, n'y a-t-il pas un problème de liberté d'expression et notamment d'autocensure sur la critique des médias et la parole tolérée dans les médias quand les invités savent qu'ils doivent se comporter conformément aux attentes des médias pour espérer pouvoir être réinvités ? Mais l'autocensure est générale. Elle ne concerne pas que les invités. Elle concerne les animateurs. Elle concerne les journalistes. Moi, j'ai jamais pensé qu'il y avait à la télévision des instances secrètes qui vous donneraient des coups de fil pour dire n'invite pas un tel, invite un tel. Sur ce sujet, évidemment, fait l'éloge du libre marché. Tout ça n'existe pas. Non, vous n'avez jamais reçu de pression. Jamais, jamais en 6 ans d'émission, jamais personne ne m'a appelé pour me dire c'est pas bien d'inviter un tel ou au contraire il faut inviter machin. C'est jamais. Bernard Lévy, mais il ne vous a pas forcément appelé, il a déclaré dans la presse que vous invitiez trop de... Non, il n'a pas dit ça, mais comme son article était un peu confus, personne n'a compris ce qu'il me reprochait, y compris son propre journal, d'ailleurs, puisqu'ils ont fait, quand j'ai répondu aussi méchamment à Bernard-Henri Lévy, qu'il m'avait apostrophé méchamment, depuis on est réconciliés, mais quand ils ont publié mon réponse, ils ont fait un chapeau qui n'était pas le... Ils disaient que Bernard-Henri m'avait... la semaine précédente, reprochait d'avoir invité Dieudonné, ce qui n'était pas du tout le cas. Les antisémites, moi, j'avais lu. Ah non. C'était... Sauf que son article était très confus, qu'il a fallu que je le relise 3 fois pour comprendre vraiment ce qu'il me reprochait. Ce qu'il me reprochait, c'était une phrase de 3 mots dans un article, dans une interview des Inrecuptibles. Voilà. Et je lui ai répondu sur le même ton. Ça n'avait rien à voir avec Ce Soir ou Jamais. Si, ça avait à voir avec Ce Soir ou Jamais. Ça avait à voir avec Dieudonné, mais il ne me reprochait pas d'avoir invité Dieudonné. Pas du tout. Et d'ailleurs, il aurait
il aurait été mal placé de me le reprocher, puisqu'il était venu s'asseoir exactement dans le même fauteuil que tu as donné 2 semaines après. Donc, évidemment qu'il ne me l'a pas reproché. Même si c'est son droit, évidemment. Ce serait son droit. Et je ne dis pas qu'il en pense que du bien, que j'avais invité Dieudonné 3 fois ou 4 fois en 6 ans. Mais il ne me l'a pas reproché. Mais bon, c'était un détail. Mais justement, cette phrase, c'était justement, je disais, qu'une des raisons pour lesquelles j'avais invité Dieudonné, c'était qu'il n'y avait pas de complot pour empêcher Dieudonné de venir à la télévision. Et que la preuve, c'est que je l'avais invité. Voilà. C'est là-dessus qu'est parti notre différend avec Bernard et Lévy. Mais oui, c'est ça. Mais personne ne m'a jamais téléphoné pour me dire qu'il ne faut pas inviter Dieudonné. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas téléphoné aux autres non plus. Donc si les autres ne l'invitent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie de l'inviter. Et alors, dans le cas de Dieudonné, c'est un cas un peu particulier, Dieudonné. Hein, bon. Mais il y a plein de gens qui ne sont pas invités, d'idées qui ne sont pas représentées, de tendances. Mais ça, les gens dont vous avez fait la liste ne sont pas des gens qui posent problème. C'est juste qu'ils ne les connaissent pas. Je ne les connais pas pour un certain nombre d'entre eux. Vous avez bien voulu me faire l'amitié de reconnaître que j'en avais quand même invité pas mal dans tout ça. Mais c'est pas ça qui fait problème. Les gens ne s'intéressent pas au contenu. Personne ne m'a dit « Attends, t'invites trop d'ultralibéraux. » Vous voyez, des économistes, des guillemillères, des ultralibéraux, personnels. Mais c'est vrai que quand vous les voyez, vous dites « Ah, quand même, c'est bizarre, j'entends jamais ça à la télé. » Mais on pourrait après me dire « Attends, ça suffit, les antennes. » Mais non, mais ça n'existe pas. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'au journal de 20h, ça existe, parce que les pressions sont différentes, que c'est plus regardé, qu'il y a des enjeux électoraux. Mais moi, ça n'existe pas. Y compris de la part de la direction. Peut-être, mais moi, encore une fois... Sur votre émission. Ah non, jamais, jamais, jamais. Donc, il n'existe à la télévision que de l'autocensure. De l'autocensure de ceux qui invitent les gens, qui se disent « Attends, je ne peux pas inviter celui-là, on va penser que je pense pas comme lui. Moi, j'invite tout le monde, personne ne va se dire « Il pense comme lui. » Vous voyez ? Et donc, on ne va pas... Pas de blacklist ? Non, jamais, jamais. Et de la même manière, vous n'avez pas... Alors après, il y aurait ce que pourrait vous faire une chaîne, ce qu'elle ferait. Bon, ils ne le font pas, mais ils ont peut-être envie. Ce serait d'écarter tous ceux qui font mauvaise audience. Ça, oui, ça, c'est sûr. Attends, lui, il est venu, là, il n'a pas fait d'audience. Il ne faut plus le réinviter. Vous voyez ? Il est venu tout seul, en face à face. Et l'audience s'est cassée la gueule. Il ne faut plus jamais réinviter. Ça, il serait tenté. Moi, ils ne le feront pas, mais ce n'est pas l'envie qui pourrait leur manquer. Ça dépend de qui. Il y en a qui sont plus obsédés par l'audience que d'autres. Et puis, mais moi, ils ont compris que Ce soir ou jamais, c'était une émission qui est au-delà de l'audience. C'est une émission qui est sur l'image, qui est une émission un peu représentative, symbolique de ce que peut être le service public. Et tout le monde tient à cette image-là. On ne va pas venir m'emmerder en me disant « Attends, René Girard, il est bien gentil, mais il n'a pas fait d'audience. » Vous voyez, personne ne va me dire ça. Tout le monde est très content qu'il y ait René Girard. Alors. Bien, j'ai terminé mes questions, mais je voulais vous remercier d'avoir accepté non seulement l'interview, parce que je l'ai proposé à d'autres de vos collègues. Ils ont dit non. Qui ont dit non. Je ne dirai pas les noms, mais voilà. Et d'avoir surtout répondu ouvertement à des questions que j'estime difficiles pour certaines. Pas tant que ça. En tout cas, franches, ouais. Directes. Voilà, direct. Voilà. Frédéric Tadi, merci. Je vous en prie, c'était un plaisir.